Et bienvenue à tous pour du Parasitive 2. Ah, ça fait plaisir. 99, 2000, donc 99 au Japon et 2000 pour l'Europe et l'Amérique. Donc ce jeu a 21 ans. Oh putain. Faut avancer un peu dans la vie, hein. Faut pas rester comme moi bloqué dans le passé. Donc option, vibration on, off. Donc nous allons nous lancer. Donc continuer. Nous allons prendre la version la plus avancée qui est. Donc clear 6, donc on a fini le jeu 6 fois. On a fini le jeu 6 fois. Donc nous sommes de retour le 4 septembre 2001 au centre de Los Angeles, au centre de Myst. Alors je vais expliquer pendant que la cinématique se joue, la cinématique d'intro, j'expliquerai l'histoire pour ceux qui vraiment qui connaissent pas. Mais maintenant nous allons donc sélectionner le mode. Donc le mode replay, c'est refaire le mode, en fait le jeu normalement, même en plus facile, parce qu'il y a beaucoup, les ennemis sont beaucoup plus faciles, il y a plus de ressources et tout ça. Et vous pouvez en gros farmer les BP, farmer l'expérience. Après vous avez le bounty mode avec les golems qui sont un peu partout, c'est vraiment un des modes les plus fun. Après vous avez le scavenger et le nightmare. Donc nous avons fait en 2015, comme j'avais expliqué, le mode normal et bounty. Et après de 2018-2019 on avait fait scavenger puis nightmare, et cette fois on va refaire donc le bounty mode. Donc on commence avec 100 HP, 30 MP, 2100 d'expérience et 56 000 BP. Donc on peut déjà acheter pas mal de choses. Alors bounty mode, find the hidden golem soldier and thrive for a BP high score. Donc en gros il faut trouver, en gros on refait le jeu, mais la mission de ce mode là c'est de trouver tous les golems qui se sont cachés en fait dans le jeu et de les tuer, et bien sûr ils vont nous donner énormément de BP, donc ça c'est plutôt cool, et surtout des armes assez pétées, assez cool. Donc on va lancer le bounty mode, et à chaque fois qu'on lance un des modes, il y a une image comme ça, genre bounty mode. À chaque fois, à chaque catégorie en fait de niveau, il y a une image. C'est plutôt cool. Ok, septembre 2000. Donc elle va nous expliquer un peu comment ça se passe et ce qui s'est passé. Et nous avons l'intro avec les producteurs et tout ça. Donc moi, je vais vous parler un peu du jeu. Alors, bah tiens, il y a 3 ans à Manhattan, sur l'île de Manhattan, il y a eu des bestioles en fait qui ont commencé à apparaître. Donc ça c'est les événements de Parasite Eve 1. Le monde n'était pas prêt pour ça, mais Ayabrea, donc le personnage qu'on incarne, était vraiment très lié en fait à ces créatures, et c'est là où elle a rencontré Eve. Donc voilà, en gros c'est ça le résumé. Bref, Ayabrea bien sûr a aidé pour résoudre les problèmes et a combattu Eve et a combattu les créatures. Après elle a vu qu'elle était liée en fait génétiquement à eux. Mais ça on en parlera plus dans le 2. Maintenant dans le 2 ce qui s'est passé c'est qu'ils ont créé une division, une section en fait secrète du FBI qui s'appelle le MIST. Alors le MIST ça veut dire Mitochondrion Investigation and Suppression Team. Donc c'est une équipe de suppression pour les NMC, donc les néo-mitochondrion créatures, donc les créatures mitochondriales. Donc toutes les bestioles un peu étranges, voilà. Donc cette section du FBI est là pour enquêter, et elle est envoyée si jamais il y a des créatures qui ressurgissent. Et je crois que depuis 3 ans à peu près, il n'y a pas eu grand chose, et cette nuit-là, donc maintenant, ce qu'on va jouer, il va y avoir des créatures en fait, qui ont été apparemment été aperçues dans la tour de l'Acropolis à Los Angeles. Et nous on va être envoyé là-bas. On va aller enquêter. Et de là qu'on commence l'histoire de Parasite Eve 2. Donc c'est plutôt sympa. Ayabrea a 27 ans à ce moment-là. Il faut aussi savoir qu'elle a 27 ans mais elle en fait dans les 20 parce qu'elle a de la mitochondriale. Enfin elle a des gènes qui ralentissent son vieillissement, donc elle fait beaucoup plus jeune. Mais elle en parlera dans le jeu, je vais pas en parler maintenant. Parce qu'elle en reparlera dans le jeu. Donc on peut s'entraîner à tirer. Ce qui est pas mal, on récupère des... On apprend un peu le gameplay, on récupère des choses. On le montre. On va faire un niveau. On va faire un niveau, pas plus. Parce qu'il y a beaucoup de niveaux et ça prend du temps. On peut choisir aussi la musique. On va prendre Crazy King, pourquoi pas. Je suis pas sûr. Pick up the gauntlet, peut-être. Yeah, pick up the gauntlet. Et on a que ça comme arme. On peut choisir n'importe quelle arme à condition de les avoir. Et on peut choisir. Et on doit faire, je crois, tous les niveaux pour après
récupérer un... Je sais plus exactement, je le mettrai peut-être à l'image qu'on récupère, mais je me rappelle plus exactement. Donc ils vont nous expliquer un peu comment jouer. Donc avec carré, on se met en jeu. Et on va pouvoir viser, et après avec R1 on va pouvoir tirer. Et R2 c'est la deuxième façon de tirer pour l'arme. Genre là par exemple le R2 pour c'est une balle, alors que le R1 c'est un... c'est 3 balles. Et après pour recharger, là c'est... Le niveau 1 en fait c'est vraiment le... comment dire, le tutoriel en fait pour vous expliquer. Donc si notre chargeur est à court de munitions, elle va recharger automatiquement. Ou alors sinon on fait start et on va utiliser donc les munitions qu'on a sélectionnées en attachement. Je montrerai le comment s'appelle le menu et tout ça après. Là ils nous disent vu qu'il y a plusieurs cibles. Vu qu'il y a plusieurs cibles. On pouvait, en maintenant carré et faire droite et gauche, on pouvait sélectionner d'autres cibles. On a loupé une cible hein, au passage, hein, je veux pas dire, mais c'est niveau 1 et je viens de louper une cible, c'est cool. C'est vraiment cool. Donc on va même pas avoir... On va même pas avoir les points au maximum. C'est pour ça que j'aime pas faire ce... Oups, trop tard. J'aime pas faire ce... Cet entraînement avec l'arme de base, c'est vraiment... C'est vraiment chiant. Sur la gauche, il est trop tard. Parce que là, j'ai visé les autres à la place. Bon, bon, on a fini. C'était une catastrophe, c'est bien. On peut passer au jeu. On peut passer au jeu principal. Donc, on a eu Yellow Target 200. On a fait, on en a loupé, je pense que c'est 50 le maximum. Donc, on en a loupé 6. Et on a gagné 100 BP. Allez, c'est nul, on se casse. C'est pour ça que j'aime pas du tout faire cet entraînement. En plus, c'est rien que le niveau 1. Après, il y a le niveau jusqu'à 5, évidemment. La chose c'est que après vous êtes lancé en fait sur le terrain de tir et vous pouvez bouger votre personnage et tout ça. Aussi vu qu'on a déjà fait le jeu plusieurs fois, je vais zapper quelques cinématiques. Après bon genre les conversations elles sont en anglaise et tout ça, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent pas anglais et qui comprennent pas, donc je vais faire à chaque fois des résumés, donc du coup si je les zappe vous avez pas... louper grand chose. Donc ça c'était Al qui a parlé à Pierce. Pierce est un, donc le Pierce le mec sur la droite, c'est un ami assez proche de Aya, ils sont plutôt collègues depuis un bon moment et ils s'entendent bien, vous voyez, voilà. Déjà je vous mets un peu la relation entre les personnages. Pierce, et on va dire aussi, on peut rajouter même que Pierce, on va dire l'aime secrètement. C'est un peu le nerd avec les lunettes qui est accro à la fille qui... À la type de fille, genre Lara Croft, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, voilà, donc Al, le chef de... Al Baldwin, je crois qu'il s'appelle, le chef du MIST, qui travaille aussi au FBI, a parlé du fait qu'il y aurait peut-être des créatures à la tour Acropolis, donc on est envoyé pour ça, donc Pierce était en train de nous expliquer ça. Plutôt cool, il va. Donc là, on est au QG du MIST. La musique est plutôt cool, les musiques sont cool dans le jeu. Il y a des musiques relax, il y a des musiques un peu plus péchues pour les combats et tout ça, les musiques sont vraiment cool. Bien sûr c'est Squaresoft qui a fait ça, c'est avant qu'ils fusionnent avec Enix, qui devient Square Enix. Honnêtement, beaucoup de gens disent que Squaresoft était vraiment au top pour les jeux vidéo, tous ceux qui ont fait les Final Fantasy et tout ça. Et quand ils ont commencé, quand ils ont fait leur fusion avec et qu'ils sont devenus Square Enix, les jeux qui ont précédé ça... Enfin, non, les jeux qui ont été faits après ça, pardon. Genre dans les 5-10 années qui ont suivi ça. 5 années, on va dire. Étaient de moins bonne qualité. Je peux peut-être un peu être d'accord avec ça, honnêtement.
Parce que c'est vrai que les jeux Squaresoft étaient quand même différents des jeux Square Enix. Bon, maintenant on a fait FF7 Remake, etc. Donc maintenant ils font des très bons jeux, attention. Mais je, dans les anciennes années, c'était assez différent. En tout cas, donc nous avons la liste, donc nous avons les BP. Les BP, c'est les Bounty Points. Donc quand vous tuez des créatures, vous récupérez des BP. Et après, on a l'expérience qui va servir pour les magies. Donc nous avons donc des armes, nous avons le PA3, fusil à pompe, et le M4A1, fusil qui utilise du 5.56. Et après, nous avons bien sûr du 5.56 et des buckshot. Alors, nous avons aussi des armures que nous pouvons acheter. Nous pouvons même un peu voir les détails des armures. Donc les armures, c'est très RPG en fait, c'est très genre Resident Evil. Beaucoup de gens, ils disent toujours la même chose, les gens, c'est Resident Evil qui version RPG quoi. Voilà, c'est Resident Evil et Final Fantasy ensemble, voilà, ça a créé Parasitive. Oui, je suis assez d'accord avec ça, donc vous allez voir, c'est de l'action avec beaucoup de RPG. Donc par exemple, si on met une armure combat armor, on a des 40 HP en plus, 10 MP en plus, et on a 5 attachements. Aussi, on a des effets spéciaux, donc on a un détecteur de mouvement, et on peut résister au silence, et après nous avons une description. Body armor lourd de la police, et on a aussi un casque pour amplifier et qui prévient, qui prévente, qui résiste au silence quoi, qui annule l'effet silence. Alors le, et après on a des objets qu'on peut acheter, donc différents objets, des soins pour les HP, pour les MP, aussi pour les altérations d'état. Et après on a des objets de combat, donc par exemple là on peut flasher avec une lampe, là on peut utiliser le pepper spray, c'est le spray au poivre, et ça va paralyser les ennemis. Ah, plutôt cool. On va regarder un peu l'inventaire. Une fois que je vous ai exposé tout ça, après, de toute façon, il n'y aura plus grand-chose à dire. Donc, l'inventaire est vraiment bien. Je le dis toujours, toutes les années, je dis exactement la même chose. L'inventaire est très très bien fait. Il n'est pas chiant à naviguer et tout ça, il est très bien fait. Donc, vous avez utilisé, donc, à droite, vous avez votre équipement, enfin votre inventaire, non, vous avez votre inventaire, donc 20 places au maximum, vous pouvez pas avoir plus de 20 objets sur vous. Et après vous avez votre arme, donc à gauche, weapon et ammo, donc vous avez arme et munitions, donc là vous pouvez choisir votre arme. Donc par exemple si je prends l'arme, directement on va me dire quelle munition vous voulez prendre, donc déjà ça c'est vraiment top, parce que s'il y a plusieurs munitions en fait on va avoir une grande liste de différentes munitions. Donc je prends par exemple 9 mm Parabellum, donc on a chargé les 9 mm dedans, donc vous voyez maintenant en dessous on a les munitions. Si jamais on veut changer d'arme, on revient là, on rechange. Si jamais on veut changer de munitions, on va là, et là on peut même enlever les munitions et sélectionner le type de munitions qu'on veut. Et après vous avez l'armure, donc pour l'instant on n'a pas d'autre armure, donc on peut pas la changer, donc on a une veste en cuir, ça résiste contre la paralysie, HP plus 10 et attachement 3. Donc maintenant on va parler des attachements. Les attachements, en fait, l'inventaire que vous avez à droite, vous ne pouvez pas y accéder en combat, c'est ça, c'est très très important à savoir, vous ne pouvez pas du tout y accéder en combat. Par contre, ce qui est attaché, donc dans les attachements, c'est ce que vous avez pendant les combats. Donc là pour l'instant, comme on a vu, la jaquette elle fait que 3 attachements, donc vous avez le choix entre 3 objets. Donc par défaut vous avez le Recovery 2 qui remet 100 HP quand vous l'utilisez hors combat, et pendant les combats ça remet seulement 90 HP. Aussi il y a une utilisation en fait en dehors des combats et à l'intérieur des combats, faut bien prendre ça aussi en tête. Et après par exemple là on a mis le GPS, donc ça va servir, vous allez voir quand on va combattre en haut à gauche on aura un détecteur et on verra les monstres. Donc après si vous voulez enlever les objets, vous cliquez dessus, vous faites échanger, et après vous allez en bas de la liste, il y a écrit Remove from Armor, donc enlever de l'armure, et après voilà vous avez un emplacement vide et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et on va parler plus quand on aura plus de matériel, je vais vous montrer un peu des techniques genre pour mettre différentes munitions, différentes armes, etc. Avec le jeu, donc pour montrer que vraiment ce menu est vraiment 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 cool. Donc on va laisser ça comme ça, on va peut-être à la limite voilà, on va rester comme ça, c'est pas grave. On a l'arme alors qu'on est dans le QG, mais c'est pas grave. Après, vous avez les objets clés. Donc, pour l'instant, on a le badge du Mist. Donc, ça, c'est son badge à elle. Elle dit qu'il ressemble à ceux qui sont faits par le FBI. Évidemment, après, c'est une section du FBI, donc c'est un peu normal. Et vous avez les parasites énergie qui sont propres à Ayabrea parce qu'elle a de la mitochondria extrêmement puissante en elle. Et il va falloir à chaque fois utiliser de l'expérience. Pour l'instant, on en a 2100. On en a parce que j'ai déjà fini le jeu, sinon vous auriez zéro. Et ça va nous permettre de faire différents
d'utiliser différents pouvoirs, par exemple le soin, les attaques de feu, les attaques de vent avec les décharges électriques, et après la terre qui va augmenter notre résistance physique et augmenter par exemple notre puissance avec les munitions, les balles, etc. Et à chaque fois, et une fois que vous aurez par exemple les niveaux 3 de chaque partie, de chaque élément, pardon, si par exemple vous arrivez à pyrokinésie 3 et combustion 3, vous allez débloquer en dessous, entre nécrosis et combustion là, il y aura une troisième magie pour le feu qui sera inferno, je crois bien, et c'est une des plus grosses magies que vous pouvez avoir. Et dans, pour ça, ça marche en fait dans chaque élément. Mais à chaque fois, il faut avoir niveau 3 des deux premières magies et après vous débloquez la troisième. J'ai l'impression que j'utilise énormément de mots pour expliquer des choses très faciles. Enfin bref, c'est pas grave. Et après, vous avez la map. Donc la map est très bien parce qu'il y a help avec triangle. Et en gros, à chaque fois, si vous êtes perdu dans le jeu, que vous savez pas où aller et tout ça, parce que c'est un peu un Resident Evil, il y a des puzzles et tout ça, des fois on sait pas trop où aller, vous faites help et elle va vous dire en fait ce qu'on est en train de faire et ce qui se passe. Donc par exemple là on lui a parlé de l'Acropolis Tower, donc là elle nous dit Acropolis Tower, c'est juste en bas de la rue, il faut y aller. Donc voilà, c'est ce qu'on doit faire. Et après bien sûr vous avez les options du jeu, donc... volume de la musique, stéréo, mono, curseur, enfin bref. Voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, on peut partir. Ce menu est vraiment bien. Après, je vais montrer, quand, comme j'ai dit, quand on aura plus d'équipement. Alors déjà, là, on va récupérer un objet. Quand on aura plus d'équipement, je vous montrerai comment on peut faire des choses super cool avec cet équipement. Avec cet inventaire, pardon. Si on fait triangle aussi, on a accès aux magies directement. Donc on va retourner... Alors un truc sympa, on va retourner dans l'inventaire. C'est que quand vous trouvez des objets que vous ne connaissez pas, en fait, il y a le nom basique. Par exemple, là, c'est une bouteille qu'on a trouvée. Donc il y a écrit bouteille, bottle. Et il y a un point d'interrogation. Par contre, pour vraiment savoir ce que ça fait, en fait, il va falloir l'examiner. Donc vous faites triangle. Et là, vous voyez que donc c'est un recovery 3 qui remet full HP en dehors des combats. Et si c'est en attachement, c'est 150 HP. Donc voilà, il y a un système comme ça un peu, pas chiant, parce que bon, des fois il faut genre examiner des objets et tout ça, c'est relou. Mais il y a un système comme quoi, quand vous tombez sur des objets que vous connaissez pas, et ben du coup il faut quand même les examiner et tout ça, donc c'est plutôt, plutôt sympa. Donc du coup, quand vous voyez un point d'interrogation, par exemple, vous êtes super content, parce que c'est un nouvel objet. Après vous avez les téléphones. Donc ça c'est Baldwin qui nous parle, oui c'est bien Baldwin son nom, il nous dit qu'on doit aller à l'Acropolis, et ça, ça va être notre sauvegarde en fait. Alors Play Data, Weapon Data et PE Data, ça c'est, vous l'avez si vous avez fini le jeu et que vous recommencez en New Game Plus en gros, sinon vous aurez que sauvegarder. Donc nous on va sauvegarder là, ah, très bien. Je vais aussi utiliser les sauvegardes rapides pour aller plus vite si jamais on a des problèmes. Play data, donc là ça vous donne pour la partie en fait en cours. Donc on est à 5 minutes, on a sauvegardé une seule fois. Et après vous avez les détails sur les combats et tout ça, donc c'est plutôt cool. Et là on peut voir qu'on l'a fini 6 fois le jeu en tout. Pour les armes, c'est les armes qu'on a utilisées le plus. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toutes les armes que vous avez utilisées vous. Donc c'est vraiment cool. Donc du coup, vous pouvez un peu voir les différentes armes que j'ai utilisées. Donc là, c'était le MP5A5. Après, on a le pistolet de base. Après, on a un autre pistolet avec une lampe et un silencieux. On a le M4A1 avec une baïonnette. Le M4A1 avec une sorte de gun qui met un taser, on va dire. Voilà, un taser qui donne une décharge électrique. Vous avez le P08 avec le gros chargeur, le M4A1 avec un chargeur en plus, M4A1 avec le lance-grenade. Alors le M4A1, évidemment, c'est la meilleure variante du M16 de l'époque. Il y a énormément en fait d'add-ons que vous pouvez mettre. Il y a un laser, il y a un lance-flamme, etc. Donc c'est plutôt sympa. Même le MP5, on peut lui mettre des chargeurs en plus. Après, vous avez le lance-grenade. Vous avez la grosse mitrailleuse, la M249, la M249. Vous avez le AS-12, il y a énormément de différentes armes. Et encore, là, je ne les ai pas toutes utilisées, il y en a encore plus. Et après, bien sûr, il y a les parasites énergie. Donc quand je parlais des parasites énergie qui sont spéciales quand vous augmentez les deux premières au niveau 3, donc par exemple, il y a Inferno, et après, il y a Life Drain, donc ça, ce sont deux que j'avais débloqués. Et Apobiosis aussi. L'autre, je ne l'avais pas débloqué apparemment, je crois. Donc ça c'est le vent, ça c'est le feu, ça c'est l'eau,
Donc il manque la terre. Faudra regarder ce que ça fait la terre, je m'en rappelle plus. Ah si, c'est les boules qui... Oui, c'est les boules qui protègent. J'avais déjà débloqué, je l'ai vu. Allez, assez parlé. On avance. On est prêt. Beaucoup d'informations au début, parce que le jeu est assez compliqué. C'est pas que le jeu est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de profondeur, en fait, dans le jeu. Entre les personnages, le gameplay, le menu... Il y a énormément de choses à comprendre et à savoir, parce que le jeu est... Voilà, il est pas fait par des nuls. C'est Squaresoft, de l'époque. Il est très détaillé, il est très... Il a beaucoup de profondeur. Il a beaucoup de profondeur. Alors après, beaucoup de gens vont... aime pas trop Parasite Eve 2 comparé au premier. Moi j'ai commencé avec le premier, je pense un peu comme tout le monde qui, si vous avez vécu en France à cette époque là, car le premier en fait n'est pas sorti en Europe si je dis pas de bêtises, il était seulement au Japon et en Amérique. Nous on a eu Parasite Eve 2 directement, et après plus tard avec la PS3, genre avec le PSN et tout ça, on a pu avoir Parasite Eve 1. Et ouais, ça a 21 ans, ça, quand même. Pourtant, les cinématiques, elles sont cool. Elles sont encore cool, hein, ces cinématiques. Nous sommes arrivés sur les lieux, donc on a vu que l'hélicoptère s'est crashé. Donc ça, c'est un officier de la police. Agent spécial Brea, Aya Brea, du FBI, Mist. Mist ? Au revoir, merci. Je vais faire des résumés sur leur conversation. Je vais pas exactement dire ce qu'ils disent. Elle lui demande ce qui se passe, quelle est la situation. La situation est hors de contrôle. Ils ont perdu. Ils ont envoyé. Ah oui, ils ont envoyé une équipe du SWAT, je crois bien. Et ils ont perdu contact avec le SWAT. Il n'y a plus aucun. Il n'y a plus aucun contact, quoi. On sait pas s'ils sont morts, on sait pas s'ils sont perdus. Ils sont juste dans la tour, quoi. Donc c'est assez intéressant de. Genre l'ambiance dès le début, elle vous met dans le bain, vous voyez ce que je veux dire. C'est la nuit, il y a des bestioles dans une tour, ça c'est l'hélicoptère qui s'est crashé. Ah, ils ont envoyé une équipe de SWAT lourdement armée et il n'y a plus aucune information par rapport à eux, s'ils sont vivants ou pas. C'est vraiment cool, l'ambiance est vraiment cool. Moi j'aime beaucoup l'ambiance. Voilà, ça va faire 10 minutes qu'ils y sont allés, les SWAT. Et ils ont perdu le contrôle. Elle demande s'il y a des civils. Normalement, il n'y a pas de civils. Ils ont tous été évacués. Et apparemment, ils ont entendu comme quoi il y aurait aussi des créatures. Ils savent pas si c'est vrai. Ils savent pas si c'est un délire ou quoi que ce soit. Donc nous, on va aller voir. Là, il est en train de lui dire que l'agent est... Nous, on est juste... On est juste entré dans le building, dans l'immeuble. Ils nous surnomment les Monster Hunter, le Mist. Donc, il sait qu'on existe. Déjà, il y a eu un énorme incident, en fait, il y a 3 ans à Manhattan. Donc, les gens ont vu des monstres et tout ça. Donc, ils savent qu'on existe, mais ils nous appellent les Monster Hunter, quoi, en gros. Donc c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup cette entrée parce que c'est super réaliste. C'est genre elle va se cacher au lieu de rester en plein milieu de l'ouverture de l'ascenseur. Donc rien que ça, c'est un petit détail, je sais, mais il y a des jeux comme ça qui font pas des détails comme ça, donc c'est plutôt cool. Alors un truc aussi, il n'y a pas de parole. Bon, des fois il va avoir 2-3 paroles par-ci par-là, mais c'est pas Resident Evil, donc c'est pas voice acté. Par contre, voice acté, je viens de dire voice acting en français, voice act... Bah, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Par contre, la description à chaque fois quand vous analysez quelque chose, genre une fenêtre et tout ça, les descriptions sont super poussées et il y a énormément de différentes descriptions. Donc là, la première fois que j'ai appuyé sur la description de la fenêtre, elle a dit qu'il y avait des gens en bas qui regardaient en fait la tour, donc les civils et tout ça, ils se demandent ce qui se passe. Et après... J'ai réanalysé la fenêtre et elle nous a dit que c'était quiet, c'était calme.
C'est dur de croire qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici, vu que c'est très calme. Donc vous voyez qu'à chaque fois, et après il y a une troisième encore, elle dit qu'elle peut entendre les sirènes en fait dans les rues en bas. Et après c'est fini. Donc vous voyez qu'il y a déjà trois descriptions pour une seule fenêtre. C'est une fenêtre que vous allez peut-être passer à côté, vous voyez, vous allez jamais regarder la fenêtre ou quoi que ce soit. Mais il y a énormément de descriptions pour tout et n'importe quel objet que vous regardez, que vous analysez, ou d'endroits qui sont intéressants. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et en fait, ça compense le fait qu'il n'y a pas de voix, en fait, dans le jeu, je pense. Parce que maintenant, la plupart du temps, dans les jeux, les gens, ils vont faire « Oh, c'est quoi ça? Plein de morts! Oh mon Dieu !» Et puis basta. Et après, vous allez analyser les choses et le personnage va rien dire, ou alors il va juste dire « Ah ben tiens, il y a un cadavre. » Et basta. Alors que là, non. Là, c'est très très approfondi, en fait, à chaque fois. Oh, il y a une bestiole. Les descriptions. Donc c'est vraiment bien. Je sais, c'est un détail, mais c'est vraiment des gros détails qui vraiment vous mettent dans le jeu. Donc ça, c'est Baldwin. On lui a dit que les SWAT étaient tous morts. Il nous a dit de faire attention aussi. Donc on peut un peu analyser. Elle dit que les corps sont empilés les uns sur les autres. Que ça sent le sang et la poudre à canon. Et elle dit que c'est une équipe de SWAT, en théorie c'est les meilleurs. Et là elle parle des blessures. Elle dit que c'est comme si quelque chose s'était amusé avec lui. Et après on récupère ça aussi dessus. Est-ce que les NMC ont fait tout ça contre tous ces gens armés en fait. Elle dit que c'est dur à croire. Donc vous voyez, il y a plein de choses à analyser. Aucun a survécu. Il y a plein de trucs à regarder. Il y a vraiment plein de trucs à regarder. C'est vraiment bien. Là, on a la carte. Donc, on va faire une copie sur notre GPS. Donc, on va faire select et directement avoir la carte. Donc, maintenant, on a les différents endroits. Appuyez sur croix pour descendre les escaliers. Eh oui. Elle nous dit qu'il y a quelque chose sur le banc. Il y a des munitions de 9 mm. Alors, ces grosses boîtes de 9 mm, en fait, sont à l'infini. Par contre, sur vous, si on va dans notre menu, on peut en transporter que 500 en tout. Donc là, on en a 480 et 20 dans le chargeur. Donc c'est 500 pour ces 9 mm parabellum. Mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est infini dans la boîte. Donc vous allez revenir et en récupérer constamment si vous en avez besoin. Donc ça, c'est bien. Ah, elle vient de dire, parce que j'ai un peu zappé vite fait, mais elle vient de dire que la chair était encore chaude. Que le truc, il s'est fait cisailler, quoi, en gros, et la chair est encore chaude. Donc ça, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et elle est en train de se dire si seulement elle était arrivée plus tôt. Un tout petit peu plus tôt. Il y a plein... C'est vraiment bien, les descriptions dans le jeu, sont vraiment bien. On peut aller voir là. Là aussi, il y a encore un cadavre. Disemboweled him. Je crois que c'est démembré. En gros, il y a quelque chose qui a coupé à travers sa veste en polymère. Donc, en gros, son gilet pare-balles et l'a démembré. Et il y a quelque chose à côté de lui. Il y a des objets. Elle est en train de dire que il a l'air si jeune, c'est triste qu'il soit mort, en gros. Et on va être prêt pour notre premier combat. C'est parti. Non, on se met en mode combat, donc quand il y a le battement de cœur, on est en mode combat. Et ça marche comme ça. Ah, c'est en haut à droite le GPS. Et après on peut esquiver aussi. Ok, on va recharger.
Vous voyez, c'est très RPG avec les dégâts affichés comme ça. Ah là, il est mort. Et après, ça fond. Quand c'est des NMC comme ça, ça fond. Donc on a récupéré de l'expérience des BP. Et elle récupère naturellement aussi des MP. Le mec de la police nous dit que... it's not what they seem. En français, je crois qu'il nous fait plus de descriptions, alors qu'en anglais, il nous fait planer le doute. En gros, il nous dit que ils sont pas à quoi ils ressemblent. Faut pas se fier à leurs apparences, en gros. En gros, c'est ça qu'il nous dit en anglais. Alors qu'en français, je crois que la version française nous dit... ils prennent l'apparence d'humain ou des trucs comme ça. Donc dans un sens, l'anglais est peut-être un peu mieux, ça laisse un peu plus planer le doute, qui est plutôt assez intéressant, je trouve. Là, on peut regarder par la fenêtre. Donc elle dit qu'il y a une femme, et on dirait une civile. Comment elle peut juste être assise au milieu de tout ça. Après, elle parle du fait que tout a été laissé en plan. Et là, elle dit qu'elle... Elle doit l'aider. Donc on va rentrer. C'est fermé! Non! Donc on va aller chercher autre part. Et normalement, si on fait ça... Elle dit qu'on devrait aller regarder le toit en premier. Ah, mais je suis bête. Je fais n'importe quoi. Non, c'est bon, on est bon. On est bon. J'ai rien dit. On va aller... On va aller à l'autre porte. Parce que j'étais tellement plongé dans mes explications et tout ça, j'ai complètement oublié où il fallait aller. On va aller là. Donc il nous faut une clé pour ouvrir la porte. Freeze. Freeze. Ne tirez pas, FBI. Donc ça, c'est un mec des SWAT. Ou pas, peut-être. On sait pas. Donc il nous dit que les monstres ont tué tous les SWAT. Et il nous explique qu'il y avait une femme dans la cafétéria. Et il nous donne les clés. En gros, on aurait dû peut-être lui parler avant d'aller voir la cafétéria. Ça, c'est pas grave, peu importe l'ordre. C'est juste du fait que... vous devez revenir en arrière. Aussi, ça c'est pas mal, parce que il y a des machines genre à vendre et tout ça, genre de boissons, et ça c'est vraiment du Coca-Cola. Et ils avaient bien des... je sais pas comment on dit ça, des actions ou des sponsorisations en fait, par Coca-Cola et tout ça. Et plus tard, on va même trouver des boissons et ça seront des Coca, avec... ça sera une canette de Coca-Cola en fait. Donc ça aussi, c'est pas mal pour rajouter un peu au réalisme. Je trouve ça assez intéressant. Par exemple, un jeu dernièrement qu'il avait fait, c'était Death Stranding. On peut boire du Monster, par exemple. C'est plutôt cool. Quand il y a des trucs comme ça, où vous avez des objets réels en fait qui existent dans la vie, c'est quand même plutôt sympa. Alors après, vous avez les objets, donc les objets clés. Donc c'est la même chose quand vous avez des points d'interrogation. Donc vous regardez. Par contre, les objets clés, en fait, c'est un peu différent. C'est-à-dire que tant que vous ne trouvez pas leur utilité... Ça va rester en point d'interrogation pour la plupart. Donc par exemple là, on a vu que c'était une vieille clé. Maintenant on voit que c'est une clé de la cafétéria parce qu'il y a écrit « clé de la cafétéria » dessus. Et elle a été donnée par l'officier du SWAT. Donc maintenant on va là et elle va l'utiliser automatiquement. Et on a utilisé la clé du cafétéria. Alors là on va avoir une des cinématiques les plus horribles du jeu, je crois, et qui a marqué le plus de gens dans leur vie. Et maintenant... Excusez-moi, je parle beaucoup, donc faut que je boive, en fait. Et maintenant, vous voyez qu'il n'y a plus le point d'interrogation, et ça nous dit « Parthénon qui ?» Donc c'est la clé du Parthénon, c'est l'endroit où on se trouve dans la tour Acropolis. Ah, donc voilà. Tant que vous ne trouvez pas l'utilisation, ça va rester un point d'interrogation. Donc attention à vos oreilles.
parce que le bruit va être un peu dégueulasse, mais cette cinématique est culte. Cette cinématique est vraiment culte. Le bruit des os qui craquent, bien dégueulasse. Donc ça c'est un NMC qui s'était transformé en femme ou une femme qui s'est transformée en NMC? Ah, on va en apprendre un peu plus tard. On peut se mettre derrière les... après il va un peu s'accélérer. Oh la vache. C'est un peu notre premier boss, on va dire. Mais si on se met derrière les tables, on risque pas grand chose. On peut aussi utiliser le feu. La vache, ok, je fais de la merde. C'est la première fois que je me fais toucher depuis que je le fais sur la chaîne. C'est marrant, j'arrive pas à la bloquer, en fait. Derrière la table. Quoi, cette merde? Merde, je me bloque moi-même. On va lui faire encore un peu de feu. Pouf! Regardez la tête avec l'œil, on dirait que l'œil qui tombe et tout, qui sort de l'orbite et tout, c'est vraiment... C'est détaillé alors que ça a 21 ans quoi, c'est sur la PlayStation. Alors quand vous trouvez des objets, quand vous faites des combats, aussi ça aussi le menu est vraiment vraiment cool. Donc où vous prenez tout, où vous sélectionnez, où vous jetez. Et ce qui est bien c'est que si vous sélectionnez par exemple, imaginons comme j'ai dit vous pouvez pas transporter plus de 20 objets, si vous êtes full, du coup ce que vous pouvez faire en fait c'est faire ça par exemple, donc là il écrit move, switcher ou use, donc c'est à dire que tout ce qu'il y a dans votre inventaire vous pouvez l'utiliser à tout moment, même sur un menu comme ça. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est intervertir les objets. Donc, ce qui est sur le côté gauche, donc c'est sur le champ de bataille. Et ce qui est à droite, c'est votre inventaire personnel. Donc, du coup, vous pouvez échanger les objets si vous êtes plein. Et là, on va le mettre et on va tout mettre dans notre inventaire. Donc, vraiment, ce menu est vraiment cool. Ils ont pensé à tout, en fait. Ils ont vraiment pensé à tout. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. On va prendre la brochure d'abord, qui est là, qu'elle était en train de lire. Brochure scientifique, journal scientifique, et on va regarder un peu la bestiole. Elle a jamais vu une créature comme ça avant, et elle a un implant métallique, la créature. Donc on lui a enlevé, elle avait un implant sur le crâne. Et oui, parce que comme je vous ai dit, les créatures, normalement quand elles meurent, elles fondent. Et là nous avons Rupert. Elle nous dit, ah bah tiens, j'ai perdu mes bounty points, vu que c'est lui qui l'a tué. Et là, Aya, en fait, elle est en train de dire une bêtise, mais elle le sait pas encore, mais on va en parler plus tard dans l'histoire. Elle dit que ça mimiquait, en fait, c'était une sorte de mimique qui prenait la forme humaine. Mais en fait, c'est pas ça exactement l'histoire. Mais c'est la première fois, en tout cas, qu'ils voient ça. Que les deux voient ça. Et apparemment, il y en a encore plein d'autres. Donc, il y a Rupert qui va combattre. Et nous, on doit appeler des renforts. On peut même revenir. Enfin, essayer. On entend les bestioles. On entend Rupert qui combat. C'est plutôt cool. Vraiment cool. Et là, le jeu commence, on va dire. Le jeu commence bien. Là, on va moins être tenu par la main. Donc ça c'est...
le journal de septembre, vous pouvez lire pas mal de choses. Et ça parle de la mitochondria, en fait. Donc ça vous apprend un peu plus comment la mitochondria fonctionne sur dans l'ADN. C'est tout des réalités. Hein. C'est pas juste pour le jeu et tout ça. Mitochondria, ça existe. Hein. Mais bon, ça nous tourne. Ça, on devient pas des monstres non plus. Ça serait cool, non? Il y a assez de monstres en tant qu'humains déjà. On n'a pas besoin que ça devienne littéralement des monstres. Et on commence les combats. Alors, le truc, c'est que. Si vous restez en fait locké en faisant carré, le lock en fait reste toujours, c'est on et off en fait le lock, c'est oui, non, oui ou non. Et du coup pour esquiver c'est un peu bête, un peu embêtant des fois parce qu'en fait elle va tourner automatiquement. Donc si vous devez esquiver, je vous conseille de déloquer, comme ça vous restez dans la bonne direction dans laquelle vous voulez aller. Donc ça c'est un peu le... Petite chose à prendre un peu en compte. Voilà, on esquive, on esquive. Ah, très bien. Petite boule de feu pour lui. Il est pas mort, je pensais qu'il allait en crever. Je mets énormément de temps pour tuer deux bestioles, honnêtement. Ça fait 30 ans que j'ai pas joué. Il est mort. Non. Ça fait super... C'est super longtemps que j'ai pas joué au jeu. Je mets 3 ans pour tuer 2 bestioles à la con. C'est abusé. Ah là là. En tout cas, on va aller au téléphone et demander de l'aide. On va reprendre des munitions aussi. Un truc aussi que je vous conseille de faire, si vous jouez pour la première fois. On va prendre une parasite énergie. On va récupérer healing. Donc ça vous soigne. On va prendre le niveau 1. Ah, très bien, juste le niveau 1. Alors, à noter aussi qu'à chaque fois que vous prenez par exemple un niveau supérieur où vous récupérez une nouvelle magie, vous allez avoir des MP en plus à chaque fois. Et ça va vous remettre en fait full MP de 1 et de 2 ça va vous donner des MP en plus. Donc par exemple on était à 30 maximum, maintenant on est à 31 parce qu'on a healing niveau 1. Donc du coup gardez ça en tête, n'allez pas utiliser par exemple toute votre expérience pour débloquer tout et n'importe quoi dès le début. Utilisez-les pour vous remettre en fait full MP. Ça c'est vraiment une très très bonne stratégie. Et aussi vu qu'elle récupère naturellement des MP après chaque combat, donc nous on a débloqué le soin, donc on va se soigner en dehors du combat. Et comme ça quand on va combattre, elle va récupérer des MP naturellement et elle va être full MP. Donc vous voyez, vous utilisez les MP en fait au lieu de les gâcher. Bon bah là on lui explique. On lui explique mais ils peuvent pas vraiment envoyer de secours. Et on lui a parlé aussi de l'implant. Et il nous a dit de faire en sorte de garder l'implant et de le ramener. Après on peut regarder un peu la map. Donc la map, vous voyez que les zones rouges en fait ce sont les zones de monstres. Les portes elles sont en bleu, les téléphones ils sont en vert. Et les baies c'est les box où on va pouvoir emmagasiner des objets. Un peu comme à la Resident Evil, sauf que les boîtes ne sont pas connectées entre elles. Mais on n'en a pas encore pour le moment. Donc nous ce qu'on va faire en fait c'est les zones rouges. C'est que on va à chaque fois éradiquer tout ce qu'il y a dans les zones rouges. On va tuer tous les monstres, c'est pour ça que ça c'est un run bounty 100% par exemple. Donc là on a une bestiole ici. Alors vous voyez qu'il y a un effet violet là qui est apparu et je suis sûr que si vous avez fait attention, vous avez vu aussi la même chose à un moment, c'était un effet jaune. Donc les effets violets c'est pour dire que vous tirez en fait... on va dire dans la partie sensible de la bestiole, donc par exemple là c'est son dos. Et après vous avez les effets jaunes, les éclats jaunes, qui sont des coups critiques qui arrivent de temps en temps. Donc voilà, il y a même ça aussi par rapport au côté RPG du jeu. Donc, vraiment vraiment cool. Ça sont des papillons qui vont nous aveugler si jamais ils nous touchent, mais ils ont un point de vie. Après il y a les rats qui sont pas très puissants mais qui ont qui nous mettent le poison si jamais
si jamais ils nous touchent, si jamais ils nous mordent. Donc on va retourner à la cafétéria pour aller voir si s'il y a Rupert. Et Rupert, il est plus là. Et là-bas, il y a une bestiole. On va la combattre dehors. Elle peut pas faire grand chose, elle peut pas faire de tour, donc on risque rien. Ok, très bien. Très très bien. Donc on va aller à l'arrière du... Là aussi on a encore des bestioles. Le fait d'avoir des rats, c'est un peu... Ça fait très... Resident Evil, en fait. D'avoir des petites bestioles comme ça. Mais ce sont des NMC aussi. Ils ont été modifiés et tout par la mitochondria. Là, on a trouvé une clé bleue. On va d'abord aller dans la cuisine pour voir s'il n'y a pas des objets à récupérer. Évidemment, si j'y vais, c'est parce qu'il y a des objets à récupérer. Hein, sinon j'irai pas. Donc là vous voyez on a une ampoule. Donc c'est un steam. Après on peut checker le cadavre. Encore un SWAT. Il est trempé de sang. Et il y a des marques de dents. Qui ressemblent à des marques humaines en fait. Des dents humaines. Et il y a un recovery. Hein. Il est trempé dans du sang chaud. C'est dégueulasse cette façon d'annoncer ça. Mais c'est bien. Je pense que la version anglaise est mieux pour ça. Quand on essaye de la traduire. Je pense que c'est plus prenant, on va dire. Ah oui, si vous allez tout en bas du menu, vous allez sort. Donc c'est pour mettre tous les objets dans l'ordre. Donc c'est plutôt cool. Par exemple, là, on peut aller à l'arrière. Là, on a enlevé la barre en fait qui bloquait la porte. Alors, par exemple, un reproche que j'ai à ce jeu, c'est que pour débloquer les portes, si je dis pas de bêtises, elle va toujours prendre la porte en fait. Elle va débloquer la porte et la prendre. Ça c'est un problème. Je crois que ça y était aussi dans les anciens, certains anciens Resident Evil. Après ça a été amélioré. Ça c'est la fontaine de Poséidon. Il y a du sang et on verra ça plus tard. Et là par contre il y a une sorte de petit secret. Là il y a un arbre avec des feuilles rouges. Et après elle nous dit qu'il y a un petit passage en fait. Donc on va y aller. Ça aussi, la première fois que je l'ai fait quand j'étais jeune, je l'ai jamais trouvé ce truc. Je l'ai trouvé genre 10 ans après. Et là, il y a des grenades, si je dis pas de bêtises. Ah non, il y a une capsule. C'est tout? Il n'y a pas de grenade? Ouais, c'est vide. Il y a une boîte des... J'allais dire stars, mais c'est des SWAT. Donc on a des capsules. Alors ça, c'est vraiment bien. Donc que ça soit utilisé ou en attachement, ça va augmenter vos HP de 5. HP au maximum, enfin vos HP maximum de 5, et ça va vous remettre tous vos HP aussi quand vous l'utilisez. Donc ça, alors moi à l'époque, bien sûr, quand j'étais jeune, en fait, je l'utilisais directement, vous pouvez le faire. Donc du coup, on va passer de 110 HP à 115 HP en permanence. Mais le mieux, en fait, c'est de faire ça, c'est de l'utiliser en tant que soin. Donc si jamais on a besoin de se soigner, bah, on pourra se soigner full, et on aura 5 HP en plus aussi. Après le soin, donc à la limite vous pouvez vous en servir plutôt qu'en soin en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un peu la différence. Là on fait un peu le tour, mais alors, normalement on a tout fait, on n'a pas de... Ouais, on va aller utiliser la clé, donc on va revenir là-bas. Et vous voyez, on s'est soigné, on a 110 HP et on a 28 MP parce qu'on a fait des combats sans utiliser des MP, donc elle en récupère naturellement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors là, il y a des trucs à vérifier. Donc là, il y a un graffiti avec de la musique. Donc ça, c'est Bridge. Ça, c'est pour le pont. Il y a une photo en haut à droite.
Je regarderai sur internet exactement. Je me rappelle plus, je crois que c'est 5-4, un truc comme ça. Je me rappelle plus, c'est pas grave. On regardera le code plus tard. Mais voilà, sinon il y, y a le puzzle qui est là. Sinon, nous avons... Alors si, des fois nous avons des écrans comme ça, où vous pouvez interagir et vous avez une souris que vous contrôlez avec la manette. Et vous avez plusieurs choses à... Plusieurs touches à appuyer. Voilà, donc là, on est au maximum, je crois. Ok, on va laisser comme ça. Et là, on va changer de caméra. Donc ça, c'est où il y avait le SWAT, avec la vendeuse de machine de coca. Là, il y a Rupert sur une des caméras. Après, là, apparemment, il y aura un autre membre du SWAT qui a survécu. Et on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. On se demande ce qu'il est en train de faire. Après, ça, c'est le toit. Et ça, c'est une partie qui n'est pas très longue aussi. Et là aussi, donc là, on peut utiliser en fait la clé. Donc on va faire item, objet, et utiliser la clé bleue qu'on a trouvée. Tada! Et ça va ouvrir ça. C'est le chemin que Rupert a pris en fait. C'est avec les escalators. Donc on va sortir. Et après, pour expliquer comment les monstres reviennent, c'est parce que là, vous voyez qu'on a tué tout le monde sur la map, en tout cas ce qu'on pouvait, les parties où, qui étaient accessibles pour nous. Et quand vous allez faire un événement, donc par exemple finir un puzzle, aller à un endroit précis pour l'histoire, etc. En fait, la map va être wipée, donc c'est-à-dire que les monstres qui étaient avant vont disparaître et des nouveaux vont réapparaître. Donc c'est pas comme si... C'est pas qu'ils rajoutent des monstres, c'est que vous allez avoir en fait une vague, une autre vague de monstres. Donc ça c'est important aussi, si vous voulez faire du 100%. Donc du coup dans ce jeu vous pouvez pas genre farmer, genre la farm n'existe pas dans le jeu. Et c'est ça qui est bien dans un sens. C'est que vous pouvez ignorer les monstres et finir le jeu si vous voulez, bon ça va être difficile évidemment. Mais si vous voulez avoir plus d'expérience, plus de BP pour acheter des armes, etc. Il va falloir chasser les monstres. Parce que vous êtes un chasseur de monstres, quoi, en gros. Et il va pas falloir avancer dans l'histoire, parce que sinon vous allez perdre, en fait, les monstres qui étaient dans la vague précédente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment cool, ce système. Je trouve que c'est vraiment, vraiment cool. Là, du coup, je pensais tirer sur lui, mais apparemment non. On va se reculer pour recharger. Petite boule de feu. Très bien, on a touché les deux. C'est pour ça que j'ai tiré. Vous voyez que les bestioles, elles sont intelligentes. Quand on commence à les viser avec l'arme, elles commencent à sauter droite-gauche. Très bien. On a récupéré 8 MP. On est à 28. Il y a une machine encore, et apparemment tous les sodas sont vendus. Donc là on a encore un autre corps, pas de pulse, pas de pouls. Et nous avons une des meilleures armures du jeu, dès le début. Ne vous inquiétez pas, on va pas la garder tristement. Donc nous avons le Tactical Vest qui va nous donner 50 HP bonus, 10 MP et 7 attachements. Et après vous avez HP Recovery, donc en même temps que les MP, vous allez avoir la même chose pour les HP. Donc à chaque fin de combat vous allez récupérer des HP, vraiment cool. Et après vous avez Quick Fire, donc vous tirez plus vite. Quick Fire c'est vraiment... tir rapide, c'est très bizarre en fait. Personne sait encore comment ça fonctionne, ok? Voilà, 21 ans plus tard, on sait toujours pas comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, vous allez dans armure maintenant, et maintenant on peut choisir cette armure-là. Donc on va la mettre. Et à chaque fois, ça va vous dire si vous perdez des HP ou des MP, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment cool. Maintenant, il va falloir rééquiper tous nos attachements, parce que tout a été enlevé, évidemment, parce qu'on a changé d'armure. Donc ce qu'on va faire, on va mettre par exemple le GPS... tout en haut, on va mettre le spray, on va mettre aussi les munitions, pourquoi pas. Excusez-moi. Munitions. Aussi, il y a un petit E à côté, c'est parce que c'est les munitions qu'on a équipées, hein, évidemment. Equipped munitions, en gros.
Et après, nous allons mettre du soin. Honnêtement, on n'a pas besoin de remplir toutes les cases, parce que c'est pas comme si on allait crever, mais... Ah, vous pouvez le faire. Voilà. Et si vous voyez, par exemple, le petit A, ça veut dire que c'est en attachement. Donc voilà, vous voyez que vous avez ça en attachement. Donc voilà, maintenant on aura 7 objets pendant les combats. On va regarder un peu notre map. Donc rien n'est apparu, c'est bien, on continue. J'aime beaucoup moi ce système de non-farm en fait. C'est très rare maintenant dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo maintenant, la farm c'est genre le... l'excuse pour rendre les jeux plus longs. C'est vraiment l'excuse. Quelques critiques. Alors, eux, ils sont très sensibles au feu. Ouais, on fait 110 de dégâts. Alors, ils sont lents, mais ils ont le bras qui s'allonge, donc faut faire attention. Et ils ont beaucoup, beaucoup de vie. Ah, très bien. Oups, pardon. Feu. On va reculer. Ok, très bien. Ouais, vous voyez que maintenant on a MP10 et HP10. Donc on récupère. Oh, on a entendu des tirs. Donc là encore pareil, son armure est complètement en miettes, mais on récupère cette arme, donc on récupère un MP5. Alors le MP5 je l'ai déjà découvert, moi il est directement découvert, c'est parce que je l'ai déjà utilisé, on a déjà fait le jeu en fait, on a déjà terminé le jeu. Il y a beaucoup d'objets aussi qui vont déjà être découverts pour moi, parce que normalement il y en a encore beaucoup plus, à chaque fois il y a des points d'interrogation comme j'ai expliqué. Donc, mais moi c'est parce que voilà, j'ai déjà fini le jeu. MP5A5, alors, il utilise du 9mm, donc Parabellum, Hydra et Spartan, les autres types de munitions on les verra plus tard. Et c'est du Burst, donc c'est du semi-auto, donc c'est très cool, vous pouvez en fait tirer continuellement. Et après vous avez en R2, la deuxième façon de tirer, en gros c'est utiliser la lampe qui est en dessous et ça fait un flash, ça peut stunner certains ennemis, vraiment vraiment très 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 pratique. Donc vous voyez que là nous avons munitions, donc c'est 30 balles le chargeur. Et là vous avez la batterie. Et il faut recharger la batterie, il faut trouver des stations en fait pour recharger les batteries. Donc on va utiliser ça pour le moment. On va aller voir ce qui se passe là. Freeze, agent fédéral. Qui c'est? Alors, j'aime beaucoup les mouvements des personnages. Alors, c'est pas de la motion capture. Il y avait des jeux sur PlayStation 1, croyez-le ou croyez-le pas. Il y avait des jeux, genre par exemple le Kudelka, qui utilisait de la motion capture pour les cinématiques et pour le mouvement des personnages. Donc c'est vraiment de la motion capture d'il y a 20 ans, quoi. C'est un peu basique, mais ça rendait les personnages beaucoup plus humains dans la façon de bouger. Là, non. Pour Parasite Eve 2, à moins que je me trompe, mais là, non. Par contre, les mouvements des personnages sont très très bien faits. Et là, on ressent un peu le côté Final Fantasy, en fait. Genre tout ce qui est cinématique, mouvement des personnages et tout ça, ils sont très poussés, ils sont très bien travaillés en fait. Ils sont très bien travaillés. Donc le mec qu'on vient de voir, là, il a fait tomber une clé. Donc lui, il est ok, nous a dit d'aller trouver le mec, d'aller après le mec. Et là on a le livre des lamentations. Et après, elle va nous dire plein de petits passages, en fait. Les parasites se propagent et se multiplient. Sanger. Je pense que ça, c'est les gens qui ont travaillé sur le jeu. À chaque fois. Je crois que c'est les gens qui ont travaillé sur le jeu.
Et là aussi, il y a une porte que j'ai jamais trouvée aussi en étant jeune, que j'ai trouvée genre 10 ans après. Ah, il a dit Agida, on a entendu. En fait, c'est Madigan, c'est Kyle Madigan, mais ça, on le rencontrera plus tard, le mec. Yes, sir. Toutes les évidences vont être détruites. Myst ne veut pas être un problème. Numéro 9 crée une diversion. Donc numéro 9, en fait, c'est la créature qu'on vient de voir. J'aime bien le petit lock qu'on entend après, une fois qu'il a fermé la porte. Genre pour dire que la porte, elle est fermée. Elle est verrouillée. Et on trouve une carte noire qu'il a laissé tomber en partant. Donc carte noire avec 2 X couchés qui sont côte à côte. Pourquoi elle dit ressemble à two bend? Non, pas couché, tordu. Bend, c'est genre penché en gros. 2 X penchés. Là, on peut pas trop bien voir en fait le logo parce que bon, c'est de la PS1. Mais en gros, c'est ça. Et vous voyez que ça reste un point d'interrogation, donc on sait pas encore où l'utiliser, ça nous dit pas ce que c'est, on sait pas à quoi elle sert. Et là on a une bombe avec de la TNT, vous imaginez des bombes avec de la TNT? Les vieilles bombes? Maintenant on utilise du C4 et des trucs, et des trucs comme ça. Mais il y a du TNT. Et bouh! On a des petites bestioles. Alors ces vers de terre sont relous, mais un truc que vous pouvez faire c'est ça. C'est que si vous faites du feu dessus, ils vont commencer à brûler. Et ce qui est pas mal, bon là ça va pas le faire parce que... parce qu'ils sont pas côte à côte, voilà. What? Bon bah merde. Ah ça y est. En fait ils peuvent se brûler les uns les autres. Là, ils se passent le feu en fait. Bien. On saute pas dessus. Oh non, non! C'est bon. C'est pris la statue. Ils ont pas mal de HP, hein, ces cons. Ils ont vraiment pas mal de HP. Mais on n'a pas besoin de leur tirer dessus, honnêtement, ils vont crever du feu. Parce que le feu s'éteint pas, en fait. Ah, très bien. Le feu s'éteint pas. Voilà. Ça c'est bon. Maintenant, vu qu'on a avancé dans l'histoire, vous voyez que, vu qu'on a avancé dans l'histoire, maintenant la zone est repopulée en fait de monstres. Donc on va aller tous les faire. Alors là, nous avons un golem. Alors le problème avec le golem, c'est que... on n'a pas trop de munitions, en fait. Oh non, ça ira. Alors ça, c'est un golem invisible. Je sais plus leur nom. Donc ça, ce sont des faux. Ça, c'est un vrai, par contre. Et si jamais on attaque un faux, là, un hologramme, il va directement contre-attaquer et ça va faire mal. Donc le mieux, c'est de faire ça. Et il peut, comme vous avez vu au début, là, il peut aussi nous agripper dans le dos. Donc c'est pour ça que je me mets contre un mur. Donc chaque golem a sa façon de combattre. Ce que j'aurais dû faire, par contre, c'est... débloquer certaines magies pour faire plus de dégâts. Ok, c'est pas mal. Parce que je sais pas si on va avoir assez de munitions.
on recharge pendant qu'il fait ça. Faut attendre patiemment. Des fois ça peut prendre du temps, mais... faut avoir les bons réflexes. Pardon, les bons réflexes. Des fois ça peut prendre assez longtemps par contre. Vous voyez qu'il est un peu transparent aussi. Et bien sûr il y a le bruit. À chaque fois quand il y a le vrai. Très bien. Un truc qui aurait pu être vraiment cool dans ce jeu, c'est... parce que... oh merde, c'est le vrai. Non, oh, c'est le vrai. C'est encore le vrai. Bon, je vais charger. Ah, je crois qu'il s'est... il est... il a perdu patience. Ah, ça y est. Essaye de pas gaspiller de balles parce qu'on en a pas beaucoup en fait. C'est bon. On a vraiment pas beaucoup, faut qu'on aille en récupérer. Alors ce qui est bien avec les golems, donc c'est pour l'expérience et les BP. Donc les BP surtout, c'est 1000 BP pour avoir combattu celui-là. Et on récupère à chaque fois des trucs très rares. Donc on a récupéré la boîte de protéines, les capsules de protéines. Donc ils vont donner plus 5 en HP. Et on a le P08 qui fait extrêmement mal, très très bon pistolet. Et après nous avons trouvé aussi 50 Spartans, les meilleurs 9mm du jeu. Donc on va tout prendre. Voilà, très bien. Il nous reste combien de Parabellum? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc ce qu'on va faire nous, on va mettre en arme, on va mettre le pistolet. Donc celui-là, on a mis le pistolet dans l'attachement, donc on va pouvoir faire l'échange entre le MP5 et le P08. Si on sort le P08 en combat, en fait, le MP5 après sera dans l'attachement, donc après on peut intervertir, etc. Par contre, on n'a pas chargé de munitions dans le P08. Donc ce qu'on peut faire, c'est load, charger, et là on peut choisir. Donc ce qu'on va faire, vu que c'est une arme qui fait beaucoup de critiques... Alors après, il y a une sorte de statistique pardon, cachée dans le jeu. Pour moi, je pense que plus les armes sont légères, plus elles ont un taux de critique élevé. Après, ça dépend un peu avec les armes, mais en gros, les pistolets et les fusils mitrailleurs, c'est ça. Donc vous avez vu que, par exemple, le MP5 faisait pas trop de critiques, non, faisait quasiment pas. Les critiques, c'est avec l'effet jaune. Alors que le pistolet de base, le M9-3R, en faisait pas mal, en fait, sur les bestioles. Vous avez vu la différence. Donc là, vu que celui-là, il fait énormément de critiques, on l'a chargé, donc L, loaded. Donc chargé avec les Spartans, les munitions qui sont le plus puissant, puissance 20. Et c'est du 9mm, alors que nous on utilise les Parabellum de base qui sont là. Et elles sont à peine à 10, donc vraiment pratique de faire ça. Vraiment très pratique. Oups, ah c'est pas ça que je vais faire. Je voulais pas faire utiliser, c'est pas grave. On va remettre capsule, voilà, on a deux capsules. Très bien. Et pour les MP, parce que vu qu'on a besoin un peu de MP, on va utiliser Energy Shot. On va reprendre Energy Shot, ça va augmenter les dégâts des balles. Donc pratique, très pratique même. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais dire aussi par rapport à l'équipement. Là on a des monstres un peu plus durs, normalement on n'a pas eux à ce stade du jeu. Non, ça c'est le flash. Ah, cours. Ok, un mort. Eux ils font un peu plus mal, ils ont plus de HP et ils peuvent empoisonner surtout. C'est pour ça aussi que je voulais récupérer des MP. Ah, on a plus de balles. On va switcher pour le P08.
Wow, vous avez vu? Critique, 104 de dégâts. Alors que 104 de dégâts, il faut au moins genre 30 balles ou un truc comme ça du MP5. On va prendre ça. Donc vous voyez, ça c'est la différence avec les armes. On va récupérer Energy Shot niveau 2. Comme ça on récupère encore nos MP. Vu qu'on est un peu limité en MP. Et en parlant de MP, on a récupéré un MP Boost 1. Donc si on l'utilise en dehors des combats, c'est 30 MP. Et en attachement, c'est 25. Donc ça, on va le mettre. On va le mettre à la place de ça. C'était en haut. Ok, très bien. Donc vous voyez que là, on n'a plus les MP5. Enfin, les MP5. Les 9 mm parabellum normal. Donc on va continuer à descendre. On va essayer d'éviter d'utiliser les Spartans. Vu que c'est les balles en fait qui font quand même très mal. Mais bon, on est peut-être un peu obligé. Alors ça c'est un autre golem, notre type de golem. C'est un peu le golem de base. Bon, on va utiliser ça sur les rats. D'abord on va faire les rats. Ne touche pas toi. Ok, c'est bon. Il n'y a plus de rats. On va se buffer. Donc ça va augmenter nos tirs. Voilà, bien. Waouh, ça fait très mal. Même le flash en fait du canon de l'arme est devenu violet en fait grâce à notre pouvoir. Ça aussi c'est un petit... un petit détail. Donc on a encore récupéré du Spartan et on a une petite boîte. C'est une boîte d'autodéfense en fait, on la balance et ça fait une grosse lumière. Donc ça c'est pour infliger darkness, donc c'est cécité en fait aux ennemis. Donc c'est pas mal, on va tout prendre. Il y a aussi les objets que j'utilise pas vraiment, c'est vrai. Paper spray, on peut enlever le GPS, est pas vraiment très très utile honnêtement. Flair, on va remettre ça. On va aller récupérer nos... des parabellum. Oh, on est plein, je crois. Ouais, on est à 20 sur 20. Du coup... alors on pourrait jeter ces objets là, honnêtement c'est des objets qui sont pas très très utiles, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une capsule de protéines. Voilà, comme ça on est à 155. Voilà, et là on prend les munitions parabellum. Et maintenant il faut les remettre. Alors comme j'ai dit, après on n'est pas obligé de mettre les munitions en raccourci. Comme j'ai fait avec par exemple le P08, si vous faites en sorte que l'arme et les munitions en fait chargées, c'est-à-dire qu'une fois que le chargeur sera vide, quand elle va recharger, elle prendra toujours les munitions en fait que vous avez sélectionnées de base. Donc ça sera toujours par exemple les Spartans pour celle-là, vu qu'on a mis des Spartans dedans. Et du coup, vous pouvez avoir différentes armes avec différentes balles chargées et sans avoir les balles en fait en attachement. Et par contre, si vous voulez utiliser une arme avec différentes balles, vous mettez toutes les différentes balles en fait en attachement. Donc ça aussi, c'est pas mal de faire ça. Donc... par exemple, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va mettre le MP5 ici. Et on va le charger avec les balles 9 mm basiques. Et on va garder en main le P08. Et quand on sera en combat, on changera, on prendra le MP5 et on gardera le P08 pour les gros combats en fait. Mais du coup, ça vous laisse en fait de la place pour mettre des objets en plus. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Ah, donc on peut mettre, je sais pas... combat light, pourquoi pas. Voilà, et après il y aura encore ça. On va aller sauvegarder. Et moi je vais faire une petite pause et après je ferai sûrement des grosses vidéos de 5 heures, un truc comme ça pour éviter d'avoir 50 000 épisodes. Et moi je vais faire une petite pause. Donc voilà, c'était le début de Parasite Eve. J'espère que ça vous plaira, que vous continuerez à regarder. Beaucoup de choses à chaque fois à expliquer, vraiment énormément de choses à expliquer. Mais ouais, ce jeu est vraiment profond à chaque fois, que ça parle de personnages ou de gameplay et tout ça, de menus, il y a vraiment beaucoup de choses.
Donc ça me fait plaisir d'y rejouer. Voilà. On se revoit sûrement directement pour vous. Et moi, je vais faire une petite pause. Merci beaucoup d'avoir regardé, de continuer à regarder. Et à la prochaine, ou voire même à tout de suite. Ciao. Et nous sommes repartis pour du Parasite Eve 2. Donc, pour moi, nous sommes un autre jour et tout ça, mais je pense que j'aurais mis la vidéo en même temps. Je vais faire des vidéos. On va faire comme la dernière fois. Si ça dure 15 heures, on va faire 3 fois 5 heures. Comme ça sera plus simple pour la chaîne. Au lieu d'avoir 3000 épisodes, bah, vous aurez 3 épisodes. Donc la dernière fois, ce qu'on était en train de faire, c'était retourner voir ce qui se passait là-bas. On a la clé, on a la nouvelle clé, je crois, c'est ça. On a la Red Key, on y va. Donc j'ai aussi édité la première heure de la vidéo. Parce qu'en fait, j'ai coupé des morceaux, j'ai refait des morceaux, j'ai reparlé par-dessus, tout ça. Et je pense sortir donc un épisode genre... oula. Alors attendez, on va changer ça, MP5. Alors ce qui est bien avec les sortes de papillons de nuit là, vous pouvez utiliser le flash pour les tuer directement. Non, c'est carré, pardon. J'étais en train de faire R3 pour... on peut les faire tomber avec le flash. Donc vraiment pratique. Et du coup, oui, j'ai édité donc le début de la vidéo. Et la partie où j'explique par rapport aux différences de Hertz, par exemple 50 et 60 Hertz. Donc je suis allé récupérer un morceau de vidéo sur YouTube. J'aurais mis le lien de la chaîne dans la description et tout ça. Toujours rendre à César ce qui appartient à César. D'une personne qui joue à une version PAL. Et... waouh, c'est 18% moins rapide la version PAL. Et ce qui est bien, c'est qu'au début du jeu, on a le MP5. Donc comme ça là. On a le MP5 et la cadence de tir, elle est affreuse quand on fait la différence entre la version PAL et la version NTSC. Et le fait d'avoir vu ça, de revoir vu ça, la différence entre les deux versions, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même beaucoup mieux de jouer à des versions NTSC, c'est quand même nettement mieux. Oh la vache. Je vous invite de regarder l'épisode 0 si vous ne l'avez pas vu, ou alors même de tester. Si vous avez pas mal d'émulateurs et tout ça, prenez des versions NTSC et PAL. Et testez-les, vous allez voir la différence, c'est affreux quand même. C'est quand même bien, bien affreux. La différence de vitesse. Hop là, très bien. Avec le MP5, on utilise énormément de balles, hein, par contre. Hein. Ça critique très rarement... Là c'est parce qu'on est dans le dos. Ça c'est vraiment parce qu'on est dans le dos. Et merde. Je pensais qu'elle avait le temps de... Okay. Les altérations d'état s'en vont après le... Après les combats. J'essaye de réfléchir à ce qu'il y a une altération qui reste. Je crois pas. Je crois pas qu'il y ait d'altération qui reste dans le jeu, après les combats. Je suis pas complètement sûr. Donc on a une autre clé, donc on va l'utiliser là. Objet, red key. Voilà. Et ça aussi, ça va faire reapparaître plein de monstres, je crois. Il y a une chose aussi, ce qui se passe là, je viens de... Aussi, j'avais un peu envie de décompresser, on va dire. Parce qu'il y a une personne qui a besoin d'aide, genre sur le Discord, par rapport à Cemu émulateur de Wii U. Beaucoup de gens, ça va faire 3 ans que je fais ça, à peu près. Moi, ma chaîne, elle a jamais été très grosse. Vraiment. Donc, genre, gros public, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment ça, quoi. Donc... mais c'est vrai qu'avec Cemu,
Alors attendez, on va faire ça. Ah ah. Ah ah. Non, ça va, il nous a loupé. Ok. Faut aller reprendre des balles. Faut aller reprendre des balles. Ça, il est encore trop loin. Ok. Donc du coup, le Discord a pas mal de gens. Oh, on a des nouvelles grenades. Une grenade flash. Mais par contre, on est plein. Ouais. Donc il y a pas mal de gens qui viennent et tout ça dans le Discord pour demander de l'aide. Ce qui est normal, hein, je l'ai dit dans les vidéos, si vous avez besoin d'aide. Mais il y a des gens qui savent pas demander de l'aide, c'est affreux. Alors moi je suis de la génération milléniale, c'est la Y je crois. Attendez, il faut que je vérifie. Je crois que c'est la génération Y, donc comme ça vous pouvez savoir un peu. Donc moi j'ai appris... attendez, on va... Je crois qu'on va jeter un de ces trucs là, ou alors on va utiliser la capsule. À la limite on pourrait utiliser la capsule. Comme j'ai dit, de toute façon on aura la vie maximum augmentée, donc hop. Comme ça, on perd rien. Voilà, on perd rien. Par contre, faudra remettre un soin. Donc, moi, j'ai appris... Genre, quand je suis né, quand j'ai grandi, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les ordinateurs encore et tout ça. J'ai connu, après, les ordinateurs, genre les monocores. J'ai connu... Ah oui, la fontaine, elle est vide, donc maintenant, on peut récupérer ça. Ah, mais je vais être plein, encore une fois. Oh. Aïe, aïe, aïe. J'ai connu ça, j'ai connu, genre, les souris à boules. Genre avant que ça soit des lasers et tout ça. Genre les disquettes. Les disquettes, oui. Qu'est-ce qu'on va virer? Ah, on va virer ces objets-là. On va faire ça. C'est des objets pour enlever les altérations d'état, mais on les utilise vraiment pas dans le jeu. Et là, il y a un grenade, un lance-grenade. Il y a un corps, en fait, dans la fontaine, et il a un lance-grenade. Donc on va équiper le lance-grenade et on va le charger avec les riottes. Ah, c'est très bien comme ça. On va aller récupérer des balles. Et du coup... Enfin, je sais pas si c'est une différence de génération ou pas. Mais... maintenant, il y a la nouvelle génération après moi, du coup, genre 95 et plus, 1995 et plus, qui est née avec Internet, Facebook et tout ça, et j'ai l'impression qu'ils manquent de tact, en fait, quand ils demandent des choses. Et je crois que ça se reflète, en gros, à cause de la génération, parce que maintenant, les gens, ils peuvent parler à n'importe qui et tout ça, et il y a beaucoup de gens, des fois, enfin, pas beaucoup, on va dire de temps en temps, il y a des gens qui viennent dans le Discord et qui sont là, genre... ouais, je t'en supplie, aide-moi, vas-y, viens, on fait un partage écran, vite fait, viens en vocal et tout ça. Et moi, je suis là, je suis, oh, wow, wow, calme. Moi, dans ma tête, c'est ce qui se passe, c'est, oh là, calme-toi, mec. Calme-toi, tu viens juste de rentrer dans le Discord. Enfin, déjà, alors déjà, pour moi, je suis pas à ta disposition, de un. Mais, doucement, tu vois, je suis en train de d'écrire pour t'aider... Genre, donne-moi déjà la carte graphique, le processeur, est-ce que t'as testé ça, ça et ça et ça. Mais on n'a pas besoin de directement passer vocal, partage d'écran et tout, quoi. Enfin, moi, j'aime pas faire ça, vraiment. Je suis assez, on va dire, timide en général. Et puis, à la limite, c'est peut-être même pas être timide. C'est juste que bah, j'aime pas, en fait, tout simplement. Être sur YouTube pendant plusieurs années m'a appris qu'il faut toujours se méfier en fait des gens sur Internet. Donc j'ai eu de très mauvaises expériences, attention, donc je sais de quoi je parle dans un sens. C'est un peu comme, voilà, il faut pas rentrer dans le van quand une personne vous dit qu'il a des bonbons, quoi. Ouais, c'est ça le truc. On va récupérer feu niveau 2. Oh, c'était cher en fait. C'était 1000. C'est 3000. Ah ouais, quand même, ça va vite, d'accord, ok. On va faire un peu plus attention, alors. Je pensais que c'était beaucoup moins cher que ça, en fait, mais au final, non. Donc, on va retourner où on était.
Et je sais pas si c'est une différence de... Là, j'aime bien parce qu'il y a un autre angle, en fait, de caméra qui se met juste pour une attaque avec les chauves-souris et tout ça. C'est vraiment cool. Hop là. C'est vraiment, vraiment bien fait, je trouve. Est-ce qu'on va avoir assez de munitions? Je suis en train de me demander. On en a 400 à peu près. Ça va. Donc vous voyez, moi je suis assez, voilà, doucement, pas trop dire je t'en supplie, genre la personne a utilisé le mot, je t'en supplie, aide-moi, genre, ouais, enfin c'est un émulateur, on va se calmer quoi, c'est pas genre, je te sauve la vie, hein. Faut pas exagérer non plus. Ah merde. Eh merde. Ah, j'ai loupé, ok. Donc si jamais les trucs vous touchent, les papillons, vous êtes... Je suis en train de le bloquer, lui. Ah, merde! Eux, leur point faible, pour faire une critique, il faut leur tirer dessus quand ils vous sautent dessus. Par contre, c'est un peu chiant à placer, quoi. Ok, très bien. Voilà, brûlez-vous les uns les autres. Je me fais toucher très souvent, honnêtement, je joue très mal. Je vais être honnête, je joue très mal. Je me fais toucher extrêmement souvent. Bon, c'est pas très dur non plus après ce mode-là, mais... Ah, il faut retourner sur le côté gauche de l'église. La petite église. Mais voilà, enfin je sais pas, je pense que c'est une différence de génération qui veut ça. Pas super fan des gens qui viennent comme ça et qui directement demandent de l'aide avec... Ah merde. Mais merde. On va se soigner. D'accord. Très très nul, hein. Je suis très très nul. Je suis pas assez concentré honnêtement. C'est pas grave, on a plein d'objets. C'est pas comme si on était dans le pétrin ou quoi que ce soit. Donc y a pas de problème vraiment. Mais ouais, je sais pas. C'est très étrange en fait. Puis après il y a toujours les gens qui veulent faire de l'émulation. Genre c'est mieux, c'est quand même... C'est pas très compliqué si vous suivez mes vidéos genre à la lettre. Même un enfant de 10 ans peut le faire, honnêtement. C'est pas vraiment plus compliqué que ça. Mais il y en a qui sont vraiment pas doués pour les PC. Genre, on leur demande c'est quoi la carte graphique et le processeur. Ils disent, ben je sais pas, on voit ça où. Voilà. Quand on est arrivé à ce point-là où tu ne sais pas où voir la carte graphique et le processeur et tout ça, je pense que tu devrais pas utiliser d'émulateur. Déjà, il faudrait... avoir les bases d'un PC, et après on parle d'émulateur. Ok, donc là il nous faut un code. Donc on va faire examiner. Peut-être si j'appuie sur un bouton. Alors je sais pas si c'est 564. Non, c'est pas ça. Ok, je vais aller voir sur internet, parce que j'ai pas envie de chercher. En gros, la solution à chaque fois, c'est la petite partition de notes qu'on avait vue au début. Dans la zone où on avait mis les clés, en fait, les deux clés sur le panneau. Donc c'est grâce à ça. Je crois que c'est un... Enfin, on va voir. En tout cas, je vais voir ça sur ce que c'est sur Internet. Deux secondes. Je couperai ce passage sûrement. Donc c'est 5-6-1. J'y étais presque. Hein. J'y étais presque. Peut-être que l'année prochaine... l'année prochaine, je m'en rappellerai. Voilà. Après, je me suis mal exprimé. Oui, oui, c'est... l'endroit, c'est... Ah, on peut pas vraiment montrer. C'est... Vous voyez cafétéria, c'est le petit...
Attendez, cafétéria. Après, ça, vous avez le couloir et c'est la deuxième porte à gauche quand vous rentrez dans le couloir après la cafétéria. Ouais. C'est là où il y avait les deux clés. Il y avait, je l'avais montré le puzzle. Alors là, vous n'avez pas besoin de combattre ces poissons-là. Vous pouvez juste les écraser. C'est un peu le Easter eggs en fait. Hop là, voilà. Plutôt sympa. Les bruitages sont très très bien faits. Encore une fois, c'est du Squaresoft. Donc tout ce qui est bruitage, Final Fantasy et tout ça, ils ont toujours été ils ont toujours fait du très bon. Donc dans le jeu, c'est pas... c'est pas une exception, quoi. Attendez, il est encore vivant! Incroyable! Avec le... Il a le crâne, en fait, écrasé. Il continue à vivre. Mais bon, on va le finir. Voilà. Là, on trouve une bombe. C'est une bombe armée et apparemment il y a une... comment dire... c'est contrôlé par une télécommande. C'est ce qu'elle a dit. J'aime bien parce que quand vous regardez la bombe, il y a la musique qui s'enclenche. Avec la petite basse là et tout ça, c'est vraiment classe. Petit détail, mais c'est classe. Un téléphone d'urgence. On va utiliser les sauvegardes rapides, au cas où si je meurs, pour aller plus vite en fait. On va dire que c'est vraiment pour le fait d'aller un peu plus vite quoi. On va faire sauvegarde rapide. Poup, voilà. Alors est-ce qu'on remet des MP? On a 1300. On va prendre soin de... Non, ah oui, c'est 1400, pardon. Ça c'est 3002. Nécrosis, on peut prendre Nécrosis maintenant, ça va nous aider. Nécrosis, ça va brûler la chair en fait, et ça fait de la défense en moins pour les ennemis, donc on va faire plus de dégâts. Donc vous cumulez ça avec Energy Shot qui augmente vos dégâts de balles, donc du coup vous faites... C'est très très bon pour les boss. Très très bon pour les boss. Aussi, je crois avoir loupé des grenades, parce qu'on devrait pas avoir que des riottes, je crois. On devrait avoir des grenades normales, je suis pas trop sûr. Mais en tout cas, on a les munitions pour. Ok, donc on peut aller tout au fond, mais je crois que si on revient maintenant, on devrait avoir numéro 9 qui nous attaque. Yes. Ok, parfait. Numéro 9 est super classe. Qui êtes-vous? Non, qu'est-ce que tu es, en fait, elle dit. Q&A time, genre question-réponse. Je suis un chasseur, juste comme toi. Mon tour, devine ce que c'est. Après, elle dit... Un warrant, c'est quoi? C'est un papier pour une arrestation? Comment on dit? J'ai plus le mot. C'est trop classe. Le fait qu'il allume comme ça, il fout le feu à sa machette, c'est trop classe. Alors attendez, parce qu'il balance des grenades. Ok. Ça fait très mal. Quand il a sa machette en feu, c'est presque du one shot. Alors attendez. Parce qu'il a un lance-grenade dans le dos, en fait. Alors faut avancer, comme ça on risque rien. Hop là. On va pouvoir reculer. Oh. Alors il y a deux, trois câbles et après il y a un tuyau. T'es à peu près là. Hop là, très bien. Il a mal tiré parce qu'il était...
Ne touche pas. Ça fait du de la paralysie. C'est très très chiant. Surtout au début du jeu, si vous n'avez pas débloqué... genre les pouvoirs pour enlever la paralysée. Ah non. Ah c'est bon. Ok, très bien. Et après tuyau. Ah, on peut le repousser comme ça, ça je savais pas en plus. Hop, c'est bon. Je pensais pas qu'on pouvait le repousser avec la pyro comme ça. Pas mal. Les mouvements, les rires, le bruitage, vraiment cool en jeu. Le fait qu'il respire comme ça aussi. Elle lui a demandé de faire tomber la télécommande. Time's up. Trop stylé. Il y a Rupert. Elle lui demande ce que c'est dans ta main. Et apparemment c'était par terre. Rupert qui connaît rien aux bombes et tout ça. Est-ce que tu peux la désamorcer? En gros il y avait... deux sets de bombes. On a vu la bombe qu'on vient de monter là pour aller combattre numéro 9. Et puis après il y avait la bombe avec le SWAT là, c'est le SWAT qui l'avait armé. Donc déjà on peut voir que c'est pas seulement une histoire de monstre, il y a un peu... Genre il y a quelque chose de bizarre, il y a quelqu'un qui joue double jeu ou quoi que ce soit, donc déjà ça devient un peu plus intéressant qu'une simple chasse de monstre quoi. C'est pour ça que j'aime beaucoup le jeu. L'histoire est pas mal complexe. 5 septembre 2000. Donc là on est dans le... chez Baldwin. L'office. Le chef du Myst. Bon travail vous deux. Est-ce que vous avez autre chose? Eh ben en fait... Regardez ça. Je le fais à ma façon, ok? Cattle, ça se traduit comment? Genre bétail, ouais, bétail, mutilation de bétail, c'est ça. Donc mutilation de bétail dans le... dans un article, dans le journal. Elle, j'aime bien parce qu'elle est un peu... Elle a une très bonne personnalité, Aya. Genre, elle fait, est-ce qu'on va aller genre à la chasse aux UFO, genre aux aliens? Apparemment, ils ont montré une dégénération des cellules. Donc ça peut potentiellement dire que c'est de la néo-mitochondria. Enfin, liée aux créatures NMC. Parce qu'apparemment, comme il dit, ils ont un métabolisme en fait surdéveloppé, les NMC, les monstres. Et du coup, ils doivent beaucoup manger, se ravitationner, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'apparemment, ça pourrait être lié à des monstres. Alors là, on a plusieurs documents à vérifier. Donc on a...
Warrant. Oh mon dieu, mais c'est quoi ce mot warrant? J'aime pas quand j'ai les mots sur le bout de la langue et j'arrive pas à les sortir. Ah, bon bref, pour faire des recherches, donc un ordre spécial du FBI, une autorisation spéciale pour aller faire des recherches. Après on a la photographie d'une sorte de... Alors ce qui est bête, c'est qu'on voit pas très bien parce que c'est de la PS1 encore une fois. Mais en gros, c'est un des monstres qu'on va rencontrer plus tard. Et ils savent pas trop ce que c'est, genre c'est super grand et tout ça. Ils savent pas trop ce que c'est. Mais bon, après, il faut bien prendre compte que ça se passe en Amérique, les UFO et tout ça, il y a des gens qui font tout et n'importe quoi. Et ça se passe dans le désert Mojave, donc au Nevada. Et du coup, en fait, Aya, pour le moment, elle pense que c'est une arnaque, quoi. Elle pense que c'est plus ou moins une arnaque. Après, il y a le manuel... qui nous explique sur la mitochondria, néo-mitochondria. Et après, on a la carte de Dryfield. Dryfield, c'est une petite ville qui est dans le désert Mojave. Et c'est là où on doit aller. Je suppose que je vais combattre des cactus géants, elle l'a dit. Après, il y a Rupert qui demande par rapport à l'Acropolis. Et apparemment, Baldwin a envoyé une autre équipe pour nettoyer tout ce qui reste. Donc, l'Acropolis, c'est fini. Donc, en gros, il a mis... Ça faisait... Donc, comme j'ai dit au début, Ouais, au début, j'ai dû en parler. Genre, ça faisait 3 ans que c'était assez calme depuis l'incident de Manhattan, en fait, avec les créatures et tout ça. Et là, c'est revenu. Donc, Aya, elle était un peu surexcitée par rapport à ça. Mais bon, là, on l'envoie au Nevada et tout ça, donc elle est un peu énervée, quoi. What do you want, Pierce? Genre, qu'est-ce que tu veux? Et genre, Pierce, il voit qu'elle est énervée. Mais il a des bonnes nouvelles. Parce qu'on a récupéré l'implant, on a ramené l'implant qu'on avait trouvé dans l'Acropolis. Et apparemment... je crois qu'il va nous dire qu'il y avait du sable dedans. Apparemment, ça servirait à contrôler les NMC. Mais bon, c'est pas exactement ça pour le moment. Genre elle lui explique qu'elle doit aller dans le désert, etc. Voilà, et il dit qu'il a trouvé du sable, sand, dans l'appareil. Et apparemment, ça serait le même sable qui est dans le désert Mojave. Donc en gros, c'est possible, peut-être, que les deux affaires soient liées. Et du coup, elle est super contente. Du coup, elle est super contente. J'aime beaucoup, moi, la personnalité de Aya Brea. Vraiment cool. C'est un peu une Lara Croft, honnêtement. Mais les premières, attention, on parle des anciennes. Genre, qui femme forte, qui se la pète un peu et qui ont pas peur de répondre et tout ça. Donc, c'est plutôt cool. Donc là, on peut récupérer encore un soin. Hop là. Ah oui, Pierce va nous expliquer aussi que tout l'équipement du SWAT, donc c'est-à-dire la veste, le lance-grenade et le MP5, on a dû le rendre. Parce que ça appartenait à la police, évidemment. Et on a le... On a notre coffre. On a un vinyle pack. C'est une solution, c'est une... Un substitut pour le sang. Qui nous remet full HP et full MP. Le meilleur soin du jeu. Hein, le meilleur soin du jeu. Donc gardez-le de côté. Très bien, nous on va mettre le tonfa, on va pas l'utiliser, donc on va le mettre dans la voiture. Le GPS, comme j'ai dit, on va pas l'utiliser non plus, sert pas vraiment à grand chose quand on connaît le jeu. On va récupérer notre flingue, les Spartans aussi, les Riot on les a gardés, il y a une pouch. Alors les pouches, ce sont des petites sacoches qui vous permettent en fait de rajouter de l'attachement à vos armures. Par contre, il faut faire très attention, parce qu'une fois que c'est utilisé, vous ne pouvez pas reprendre. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une armure qui est vachement bien, mais qui a genre 3 attachements, bah, vous pouvez en rajouter jusqu'à 10 maximum. 10, c'est le maximum pour les attachements.
On a une capsule de protéines. Qu'est-ce qu'elle a d'autre encore? On va prendre le MP boost et ça suffira. Donc c'est comme ça que ça marche, ces coffres. Alors on va avoir plusieurs coffres en fait qui sont pas sans fond, attention, ils ont une capacité et je crois que c'est 30 ou 20, ça dépend des coffres, certains sont plus petits que d'autres. Mais ils ont une capacité limitée et ils sont pas connectés entre eux, c'est pas du Resident Evil non plus. Donc là on a, alors là on a un truc assez intéressant, vu qu'on est dans le mode Bounty. On va utiliser, et on a beaucoup de BP honnêtement aussi, on va acheter certaines choses. Donc, alors le M4, je pense pas qu'on va l'acheter maintenant parce que c'est pas vraiment très très utile. Par contre le PA3, je crois qu'on va acheter le PA3. C'est un fusil à pompe parce que je pense que dans le jeu, on va trouver des cartouches. Alors, il y a trois types de cartouches pour le fusil à pompe. Il y a les buckshots, ce sont des cartouches normales à dispersion. Hein, c'est du 12, du calibre 12, quoi. Après, vous avez des cartouches qui enflamment. Et après, vous avez des cartouches transperçantes, des slugs, en gros. Et les slugs sont très, très, très efficaces contre les golems. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre le fusil à pompe. Et comme ça, quand on trouvera des slugs, on les utilisera contre les monstres, contre les golems. On va aussi prendre des cartouches de fusil à pompe normales parce qu'elles sont quand même très très utiles. Elles ont leur efficacité. Vu que, en fait, faut le voir comme ça, vu que c'est un RPG, chaque arme et type de munition peut être assez intéressant contre différents types de monstres. Je vais essayer de le montrer le plus souvent possible aussi. Après, je crois qu'on peut refaire... Je crois que c'est la dernière chance, par contre. Mais on peut refaire le stand de tir. On peut récupérer encore des trucs. Mais bon, on va pas le faire. C'était déjà un carnage la première fois que j'ai fait. Donc on va pas le faire. On va pas le faire. Il y a aussi un truc, Jodie, elle dit une chose assez bien. Genre, on va être au désert Mojave. Elle dit pense à t'hydrater et pense à boire. Et c'est vrai qu'on a des objets comme ça, mais bon, ça nous sert. C'est du RPG, donc ça nous sert seulement pour les MP et tout ça, genre les boissons et tout ça. Mais imaginez un remake. Ouais, on est prêt. Là, on peut dire qu'on peut s'entraîner. Est-ce qu'on est prêt? Ouais, on y va maintenant. Mais on pourrait même rajouter un système de survie, genre manger et boire dans ce jeu. Genre un peu à la... Pff, encore une fois, je vais reparler de Escape from Tarkov. Escape from Tarkov, c'est un jeu de survie avec nourriture et boisson. Mais il n'est pas très très compliqué, il n'est pas très détaillé. Genre il faut un certain nombre de calories. Genre je crois qu'il y a Green Hell, un jeu aussi de survie, où il faut différents types en fait de nutrition. Et ça c'est quand même, je trouve, un peu chiant pour un jeu vidéo de faire ça. Mais The Long Dark, Escape from Tarkov et tout ça est assez simple. Donc je pense que c'est le meilleur de faire ça. Genre une jauge de faim, une jauge de boisson et puis c'est tout. Bienvenue à Dryfield. Donc ça pourrait le faire hein, dans le jeu, même dans le jeu là. Elle a changé de tenue aussi. J'aime beaucoup dans les jeux vidéo. Je crois que mon premier jeu vidéo, c'est que je voyais un changement de tenue aussi, comme ça, par rapport à l'environnement. C'est dans les Tomb Raider, Lara Croft, elle changeait de tenue. Je trouvais ça vraiment cool. Genre aller dans une autre... dans une autre zone et tout ça. Je trouvais ça vraiment sympa. Donc là, on a accès au coffre. Qu'est-ce qu'on va... Ah oui, on a ça. Maintenant, elle a sa tenue, là, son petit manteau en cuir. Donc, on a 10 MP, donc on a perdu un HP, du coup, parce que je crois que ça faisait plus 50, la veste des SWAT. On a 5 attachements et on résiste au poison. Vous voyez que même ça, en fait, le jeu est tellement détaillé, j'ai envie de dire, de Parasite Eve 2, qu'on peut tout prendre et genre rajouter par-dessus. Genre on a différentes tenues. Donc déjà on pourrait faire changement de tenue par rapport au personnage. Genre elle a toujours un elle est...
Parce que là, dans le jeu, elle change pas de tenue. On équipe n'importe quelle armure, mais l'armure, on la voit pas sur elle. Mais alors déjà, on pourrait faire ça, donc changement d'armure et tout ça, ce serait vraiment cool. Genre, vous faites ça sur PS5 et tout ça, super détaillé sur PC et tout ça, machin. Et après, vu qu'il y a un peu... il y a des trucs, des choses, des objets pour remettre de la vie, des MP et tout ça, genre des boissons et tout, vous pouvez faire un côté survie. Il y a plein de choses à faire. Il y a tellement de détails, en fait, dans le jeu que vous pouvez... prendre n'importe quel détail et amplifier par-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant. Moi. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Je crois qu'on va enlever le régène 3. Parce que le problème c'est qu'on a déjà 3 armes différentes. Donc on va y aller doucement. Parce qu'après on va être plein en fait. Ça c'est la caisse de munitions. Voilà, on va mettre tout dans l'ordre. Alors... on va pas utiliser l'arme de base. On va utiliser le P08 avec du 9 mm. Par contre là on va mettre les Spartans, si jamais on a besoin des Spartans. Et après là on va mettre donc le fusil à pompe. Et on va le charger avec les buckshot normal. Et après on met du soin. On a encore quoi? 2 places. Voilà, très bien. Voilà, et on va poser notre pistolet qu'on a. Même ça, je trouve que c'est mieux que Resident Evil, honnêtement. Écoutez-moi 2 secondes, c'est même mieux que Resident Evil. Parce que vous voyez que le semi-auto, là, celui-là qui fait 3 coups, il y avait des balles chargées dedans, dans le chargeur. Là, on vient de le déséquiper, donc du coup, on a enlevé aussi les balles de 9 mm qu'on avait dedans. Donc du coup, on en a 500 sur nous. Et dans Resident Evil, même de nos jours, genre le remake de Resident Evil 3, le Resident Evil qui est le plus nouveau, le plus récent en fait, qui est sorti, même ça, on peut pas le faire. Genre enlever les balles d'une arme qui est chargée. C'est débile. C'est débile de toujours encore avoir ce problème-là, je trouve. Donc voilà. Rien que ça, c'est même mieux. Vous avez pas une perte de munitions, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Désolé, mais pour moi, Paradis Thief 2 a vraiment plein de côtés très bons. Alors que les jeux de nos jours même font très très mal les choses, et même que ça soit des remakes de très bons jeux. Alors que enfin, Resident Evil 3 remake honnêtement était vraiment un gâchis. Alors j'avais parlé aussi des descriptions, donc un truc sympa, genre là elle dit je peux pas voir à l'intérieur parce que c'est trop sombre, et après hop point d'exclamation. Attendez, on dirait qu'il y a quelqu'un qui me regarde en fait. Qui me fixe du regard même. Et après, bah attends, il est parti où? Je dois voir des choses. Genre, elle pense que c'est peut-être elle qui imagine des choses. Et après, elle nous dit que c'est trop sombre. C'est très sombre à l'intérieur du magasin. Toutes les descriptions, il y a plein de différentes descriptions. Ah, c'est vraiment cool. Donc on a appelé Baldwin et tout ça. On va continuer, sauvegarder là. Donc même comme j'ai dit, les descriptions sont vraiment cool. Ça rajoute beaucoup dans l'atmosphère en fait creepy du jeu, je pense. Comme j'ai dit, vu qu'on n'a pas... on n'a pas de voix et le personnage n'est pas là à chaque fois à dire « Oh, il y a un monstre là, machin, j'ai peur et tout. » Les descriptions font du très très bon boulot pour rajouter cette atmosphère là. Donc c'est très important de les lire. J'essaye de boire en même temps et de jouer en même temps, c'est pas bon. Ça, ce sont les monstres qu'on a vus sur la photo. Alors lui, on peut lui faire s'éclater la tête contre les parois quand il fait ça. Alors, j'utilise ce pistolet. Il fait pas très mal, mais il a un taux de critique en fait très élevé. Très bien. Voilà. Il a un taux de critique extrêmement élevé, c'est pour ça qu'on va... ça va être un peu notre pistolet de prédilection jusqu'à la fin du jeu. Pour ce qui est du 9 mm en tout cas. Pour ce qui est du 9 mm.
un vieux miroir. Et après elle dit que j'ai entendu quelque part que les vieux miroirs reflètent sur notre vraie personnalité. Mais c'est juste un vieux miroir. Il y a plein de descriptions et tout ça. Une vieille télé. Il a un... Oh, un dial, c'est le... Ah, les boutons que vous tournez, là, genre de potentiomètre, là, sur les vieilles télés. Genre, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de télécommande. Alors là, il n'y a rien ici. Et après, elle va regarder en haut. Et c'est vide aussi. Ça aussi, c'est pas mal parce que là, vous voyez qu'il y a deux compartiments. Il y a le compartiment genre avec les vêtements, parce que c'est une garde-robe en fait. Compartiment avec les vêtements, avec les cintres et tout ça. Et puis après, en haut, il y a un... il y a deux... pas des tiroirs, mais des portes. Et du coup, si vous checkez une fois, elle regarde devant. Et puis après, vous checkez une deuxième fois, elle va regarder en haut. Donc ça aussi, il faut examiner les choses plusieurs fois. Il y a plein de trucs comme ça, de détails dans le jeu. Ouh, bestiole. On peut augmenter aussi un peu nos dégâts. On va utiliser un peu le fusil à pompe. Alors, il a que 3 cartouches par contre. Hop là. Oh oh. Ça l'a coupé en deux. Parce que les cartouches, comme j'ai dit, les cartouches de fusil à pompe comme ça, banales, les premières, sont un peu pas explosives, mais... What? Just now it felt. Someone was me. À chaque fois, elle a l'impression que quelqu'un la regarde, en fait, à travers les fenêtres et tout ça. Donc, honnêtement, l'atmosphère... Si vous examinez pas les choses comme ça... genre, elle a trouvé, par exemple, la pénicilline. En haut. Si vous examinez pas, je pense que vous ratez une grosse partie de l'expérience du jeu par rapport à l'atmosphère en fait. C'est oppressant, honnêtement. Quand on se met dedans et tout ça et qu'on n'arrête pas de lire les descriptions, c'est très oppressant. On a vraiment l'impression que quelqu'un nous suit en fait. Et après, on va voir qu'il y a vraiment quelqu'un qui nous regardait en fait. Spoiler alert de 21 ans. On peut appeler ça un spoiler après 21 ans. Et comme je disais, oui, pour les cartouches de fusil à pompe, ça, des fois, ça détruit des NMC. Désolé, je parle tellement des fois que je perds un peu mes mots. Et je bégaye un peu. J'aime pas trop faire ça, mais comme ça. Pas. Hop là, éclaté. Donc on est au bon endroit, hein. Il y a encore des humains qui se transforment en monstres. Ou alors des monstres qui ont forme humaine, qui prennent forme humaine, un des deux. Pour l'instant on sait pas. Oh my. Urinoirs, c'est bien. Je crois que dans le... Yes, on a trouvé des buckshots. Dans la poubelle. Ça, c'est une porte aussi fermée. Et après, on peut passer à l'étage aussi. Je fais un peu toute la map comme ça. Parce que je sais où il faut aller, hein, mais... fermé. Et après, les deux autres portes, elles sont aussi fermées. On redescend.
Alors je me rappelle, dans, je crois que l'année dernière c'était un peu pareil. Le 3 et tout ça, les gens étaient là. Ah, il va peut-être avoir un Parasite Eve 2 remake, enfin un Parasite Eve, on va dire la franchise qui va être refaite. C'est que des conneries. Un an après encore, on est toujours là à pas avoir de remake. Cette année, elle, bon, déjà elle a été horrible pour les jeux vidéo à cause de la pandémie et tout ça. Tout a été repoussé. Mais encore une fois, on n'a pas eu de... C'est un vieux puits. On n'a pas eu de remake de... De Parasite Eve. Hop là. Oh oh. Ok. Trois cartouches, c'est un peu chiant. Honnêtement, c'est super chiant. De jouer avec que trois cartouches. Ouh, il y a quelque chose dans le puits. Il y a quelque chose dans le puits. Ah, attendez, il y a peut-être des objets derrière. par contre, on a eu récemment, donc il y a quelques mois, le remake de Final Fantasy VII. Très très bon jeu, c'est beaucoup plus qu'un remake, donc je vous conseille de le faire si vous êtes intéressé. Et surtout d'avoir joué à l'original va vraiment vous aider à apprécier en fait le remake, car c'est plus qu'un remake, c'est plus qu'un remake. L'histoire, c'est l'histoire de l'original qui a été avec des rajouts, et il y a pas mal de choses qui ont changé encore. C'est vraiment un très très bon jeu. On a entendu quelqu'un qui a fait genre de tomber des... Genre une clé ou un truc comme ça. Là, on a allumé le courant. Et allumer le courant, ça nous permet d'utiliser ça. De faire... Oups, pardon. Mauvaise touche. De faire ça, il y a up, down et turn. Donc on va faire up. On peut zapper les cinématiques pour aller plus vite. Hop. Hop là. Et on va baisser ça. Ils ont pensé à ça, hein, parce que... Il y a certains jeux, ils auraient même pas fait en sorte qu'on puisse zapper les cinématiques. Donc on peut regarder le coffre. Et il y a des slugs. C'est pour ça qu'il faut baisser et regarder le coffre. Donc ça, c'est des slugs piercing, donc elles percent les armures en fait. Et c'est les cartouches qu'il nous faut contre les... golems. Donc on va les mettre. Là, on va mettre la capsule. Voilà. Alors déjà, on est un peu chargé. On est un peu surchargé entre munitions et armes. Donc va falloir faire attention à ça. Oui, du coup, non, il faut faire ça maintenant. Il faut ouvrir la porte, là. Voilà, comme ça on peut passer. Parce qu'en fait, on n'a pas la place pour passer, là. On peut l'allumer, mais après, on n'a pas la place pour passer le grillage. Enfin, pas le grillage, mais le... Enfin, vous savez ce que c'est. Donc on va devoir faire up encore une fois. Sinon ça va s'accrocher au débris. Turn. Et on est bon. Donc maintenant on passe par là. Voilà. et pourquoi je parlais du remake moi? Ah oui! Il paraît que ceux qui sont derrière l'équipe en fait qui est derrière Final Fantasy VII Remake a dit que ça serait un gâchis en fait de laisser la franchise de Parasite Eve, de pas utiliser en fait la franchise de Parasite Eve. Donc c'est peut-être qu'ils vont l'utiliser, peut-être qu'ils vont refaire un remake dessus. Ce serait vraiment bien. Si c'est la même équipe qui a fait Final Fantasy VII Remake, honnêtement, ça serait un super jeu, j'imagine. Genre là, on a trouvé... je sais plus comment il s'appelle. Donc elle lui dit qu'elle est un agent du FBI, de l'agence du MIST. Elle lui dit qu'elle est seule aussi.
Et lui, il est en train de se parler à lui-même, en fait. Enfin, il chuchote, alors que Aya peut l'entendre. Mais il chuchote, il dit « J'ai demandé la cavalerie » et il m'envoie juste une femme. Elle lui a demandé s'il y avait d'autres personnes ici. Elle a dit qu'il y en a qui sont fait tuer, d'autres qui sont... Le reste est parti. Le mec, il est resté. Lui, il est resté. Et il fait sa ronde, en fait. Il tue les monstres. Il a mis des pièges tout autour de la ville, aussi. Je crois que c'est Douglas. Et il nous a donné les clés d'une chambre d'hôtel. Du motel, en fait. Pour qu'on se repose. Douglas, ouais. Il est cool, Douglas. Je crois pas qu'il y ait des objets à récupérer ici. Là, il y a des outils. Ça, c'est bien parce que là, elle nous explique, en fait. Il y a des outils, mais elle dit que je devrais pas les toucher parce que ça appartient sûrement à Douglas. Et plus tard, ça va nous aider, en fait, d'examiner les choses et de voir ça. Genre, il nous demande si on aime son camion. Oups. Il nous a dit que c'est au deuxième étage. Je crois que là, il va nous interdire de... Ouais. Ok. On est reparti. Donc, on a rencontré Douglas, le seul résident, en fait, de la ville, maintenant, du petit village, du petit patelin. Ok, tout a été... repopulé, donc on va aller faire le ménage et c'est là où on doit aller, c'est le clignotement là. On est parti. Douglas c'est un bon personnage aussi, il est très bien écrit. Alors les scorpions sont chiants parce qu'ils sont un peu... Ils sont très résistants en fait. Mais on a un fusil à pompe donc ça devrait bien passer. Honnêtement le mieux c'est d'avoir la deuxième magie de feu et de les brûler. Ça va très vite. Et si jamais on les tue normalement, genre faut pas les faire exploser comme ce qui vient de se passer là. Ils vont laisser du poison par terre, donc très très chiant. Donc le fusil à pompe est quand même intéressant. Intéressant à utiliser. Ça nous évite d'avoir des mares de poison, en fait. On a cette chambre. Choses bizarres comme ça aussi. Limite un peu dégueulasse. Alors eux ils explosent, faut faire attention. Voilà, faut faire attention. Ils font très mal hein, évidemment si on est au corps à corps. Très très mal. Il y a aussi là des photos. Un portrait. Dog Holiday 1851-1887.
Je crois que c'est important aussi pour un code plus tard. Ces portraits-là. À chaque fois, je suis en train de... Enfin, depuis des années maintenant, pour aller plus vite, je regarde les solutions sur Internet. Parce que je me rappelle plus, en fait, comment on fait ces puzzles. Enfin, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de réfléchir, en fait. Genre, comment on fait ces puzzles. Par contre, là, on est mal placé. Ok, très bien. Ok, bien. Faut vraiment les bloquer contre un mur. Ok, ça se passe bien avec le fusil à pompe. On va regarder encore la carte. Ok, c'est que en haut maintenant. Ouh, ah oui, on a des gros monstres là. Ça, c'est des monstres que vous rencontrez. Genre fin de jeu. On va utiliser le P08. Et ils font des magies. Et on va utiliser les Spartans. La nécrosis. Hop, on évite la boule de feu. Ok, très bien. Alors, nécrosis, ça va leur faire des dégâts avec le temps, c'est un dot, et ça va aussi baisser leur défense. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le dot, en fait, ça va les empêcher de réagir, en fait. Vous voyez, ça le fait tomber à chaque fois. Regardez, hop. Voilà, très bien. Et on a utilisé Spartan, donc du coup on les a interchangés en fait avec les Parabellum normales. Donc du coup, le prochain combat on pourra changer si on veut. Donc c'est vraiment cool ce système là. De faire ça comme ça en fait, de mettre l'inventaire comme ça. Hop là. Et on est dans notre... chambre. Et là on a un coffre aussi, donc on peut mettre des objets, on a quelques objets déjà dedans. On va prendre un peu de Parabellum, on va poser ça. Pénicilline, on n'en a pas vraiment besoin. À la limite, on va poser un soin aussi. Voilà, c'est très bien pour le moment. A closet, un lit. Mais elle n'est pas fatiguée. Après, on a la douche. Jolie douche. Ouais, elle dit qu'elle est... Comme j'avais dit, elle a quoi? Elle a 27 ans, je crois bien. Oui, je crois que c'est 27. Au moment de l'événement, là, maintenant. Mais elle dit qu'elle qu'elle est plutôt dans les 20. Genre, elle ressemble à 20. Elle est plus proche des 20. Et après, elle explique, en fait, que c'est la mitochondria qui veut ça. C'est à cet endroit-là qu'elle nous explique... quand elle se regarde dans le miroir en fait. Et je crois que c'est le seul endroit où on l'apprend en fait. Que c'est à cause de sa mitochondria qui veut ça, elle la garde jeune exprès. Mais elle n'est pas vraiment très contente par rapport à ça. Et là il y a une tour d'eau. Comment ça s'appelle? Tour d'eau? Non, c'est pas une tour d'eau. Genre un réservoir d'eau, en fait. Des fois, j'ai du mal à retrouver les mots en français. Vu que je lis énormément d'anglais, je le parle quasiment tous les jours.
J'ai des fois, j'ai du mal à trouver les bons mots en français. Parce qu'en anglais, en fait, c'est super simple à chaque fois. Genre là, on appelle ça une water tower. Une tour d'eau, quoi. En français, je suis sûr qu'il y a un mot exprès pour ça. Mais je l'ai plus. Il y a une échelle aussi, donc on va pouvoir la prendre. Alors attendez, je sais pas s'il y a quelque chose là. Ou alors c'est après. Ah, je crois qu'il est là, l'ennemi direct. Ouais. Alors lui est un peu relou. Ok, très bien. Parce que lui en fait est super proche. Et ça c'est un gros problème. Genre on l'avait fait en cauchemar. En cauchemar on a moins de d'MP mais les ennemis en fait font très mal et tout ça. Et le truc nous a one shot super souvent. Donc c'est très dangereux ça. C'est le temps qu'on se déplace en fait, il a le temps de nous charger et tout ça. C'est assez dangereux. On va changer les munitions. Et on va prendre le fusil à pompe. On aurait dû recharger les MP. Attendez, on va peut-être le laisser nous foncer dessus d'abord, avant de recharger. Quoique. Ok. Hop. Oupsi. C'est pas grave, on a rechargé du coup. Ok, là on doit devoir faire un peu attention. On va remettre énergie shot. Donc ça va être timé. Et là faut faire un truc timé pendant les combats, donc c'est compliqué. Donc on va devoir... Ou vous pouvez tuer tout le monde, ou alors vous esquivez comme moi, mais il faut prendre des... les bonnes trajectoires en fait pour esquiver. Ok, là on a esquivé un, et après il y en a un deuxième, et on l'a pas esquivé. C'est bon, on est passé. Là en cauchemar on serait mort, hein. On serait complètement mort. Ouh, la vache. Ok, c'est très dangereux. Le poteau en fait nous a... Ok, ça va. Ils font super mal, hein. On peut cancel le rechargement. Oh la vache. On peut complètement cancel le rechargement. En faisant B. Là c'est pas B, c'est cercle. Le problème avec ce fusil à pompe, c'est que le temps de recharge, en fait, est très dangereux. Je crois que c'est le dernier. Alors là... C'est très 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 mal joué. C'est super mal joué. On a 8 HP, quoi. On a 8 HP. Voilà, très bien. Bah, le jeu est pas si facile que ça aussi. Même moi qui... Même... C'est parce que je fais pas trop attention, j'ai l'impression. On va récupérer soin 2. Donc on a de nouveau des MP. Voilà, 108, c'est très bien.
Très très proche de la mort là, j'avoue. Je suis assez surpris. Et on a rencontré cette personne là. Il a dit qu'il nous... il voulait nous aider, mais il avait peur de nous tirer dessus. Kyle Madigan. Et si vous regardez au début, là, dans la tour Acropolis, à un moment, on a entendu, à travers la porte, en fait, on a entendu le SWAT qui mettait la bombe, là, qui a fait tomber la carte. Il a dit « Adigan » à un moment, parce qu'on n'entendait pas vraiment bien. Et en fait, c'était lui qui était déguisé en SWAT. Donc ça aussi c'est un petit détail, mais si vous connaissez pas le jeu, vous le saurez jamais, enfin vous ferez pas attention. Même ceux qui connaissent le jeu font pas vraiment attention. Alors lui, alors son histoire de couverture, on va dire, sa couverture c'est qu'il est un privé, il fait une investigation privée. Genre il recherche quelqu'un, je crois qu'il a dit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé dans cette ville et du coup les monstres ont détruit sa voiture, donc il est un peu bloqué en fait dans cette ville. Mais ce qui est bien, c'est qu'il dit que c'est un privé, donc du coup il n'a pas à justifier en fait, il n'a pas à répondre à quoi que ce soit. Quand elle lui demande pour qui vous travaillez, pourquoi vous travaillez, tout ça, bah, il dit je peux pas vous le dire parce que sinon je perds ma licence. Donc voilà, c'est un peu, c'est facile quoi, c'est la porte facile. Mais voilà. Il est cool. Kyle a un bon fond et tout ça, mais il joue vraiment double, triple jeu à des moments, c'est un peu compliqué. Surtout vers la fin, ça va être compliqué en fait de comprendre si c'est un gentil ou un méchant. J'aime bien cette vue, on voit tout Dryfield, plutôt cool. Et là on voit que Douglas a sorti son camion, donc il a sûrement réparé. Enfin non, il est revenu comme elle dit. Après il y a ça, c'est pour ouvrir le grillage en bas. Dryfield est plutôt cool comme ville à explorer et je trouve ça vraiment intéressant moi. Là il y a un cadavre. Ça fait un bon moment qu'il est là, le cadavre. Parce qu'elle dit qu'il a, il a quasiment plus de sang et tout ça. Il est complètement sec. On a récupéré une clé. Clé trouvée sur le cadavre. Une clé aluminium, en aluminium, et il y a écrit G et R dessus. Et si on regarde la map... bah du coup on n'aura pas vu qu'on n'a pas la map encore. Je peux pas vous montrer, mais GR, on sait ce que c'est. C'est grill et un truc comme ça. Enfin, c'est un bar, quoi. Il y a des bestioles partout. Vraiment embêtant ce fusil à pompe. Hein. Vraiment très embêtant le fait qu'il ait que 3 cartouches comme ça. C'est vraiment le fusil à pompe à pas prendre honnêtement. Beaucoup de gens ne le touchent jamais quoi. Donc on doit aller au point rouge, mais nous ce qu'on va faire... Quoique, on est peut-être obligé. On va d'abord faire le tour de la map. On va repasser par là. On va faire le tour de la map tranquillement. Je connais pas en fait vraiment les vagues de monstres. J'ai jamais vraiment pris le temps en fait de les apprendre ou quoi que ce soit. Ouh! Bonjour. Alors on va utiliser les slugs. On va un peu montrer la puissance des slugs.
Donc, eux, ils ont des lance-grenades. Alors, celui-là en vert fait... balance toutes ses grenades d'un coup. Celui-là en gris balance 2x3. Ah, très bien. Vas-y, balance tes grenades, toi. Alors, évidemment, on peut utiliser le fait que... Ah, très bien. L'un tire. On va remettre des buckshots. Voilà, ça fait très très mal les slugs hein, sur eux. L'un tire sur l'autre, hein, on peut utiliser ça aussi. Évidemment, c'est un peu dangereux. Si vous prenez des grenades de tous les côtés, ça peut faire mal. Alors, on a trouvé... Alors, Recovery 3, encore des Spartans, très bien. Et des nouvelles grenades. Alors ça, ce sont des Airbursts. Elles ont un rayon d'action plus grand. Donc, plutôt cool. On va tout prendre. Plutôt cool. Oh oh. Encore un. Encore un golem. On a mis les slugs. Restons calmes. Allez, vite, mon bœuf va partir. Ah, t'es chiant. Ah, le relou, quoi. Ça fait mal ça. Encore une cartouche et il tombe, je pense. Après, on n'est pas obligé d'utiliser les slugs, hein, c'est juste pour aller plus vite. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné? Encore des Spartans, on a des incendiaires, les Fireflies, c'est ça, les cartouches incendiaires. Et on a le Hammer, c'est un accessoire pour le M4A1. Donc du coup, on va aller acheter le M4A1 aussi. On va aller acheter ce M4A1. On commence déjà à avoir les accessoires pour. Alors on n'a plus qu'une cartouche slug. Alors, on va faire ça. Ah, il va nous mettre silence. Attends, il se charge comme ça, lui. Il va nous mettre silence. Oh oh. On va devoir se soigner pour éviter le one shot. Ok, très bien. On va utiliser le pistolet. On va utiliser Spartan. Okay.
Soit en armure, sont résistants aux coups critiques. Enfin, plus résistants aux coups critiques. Genre l'éclat jaune là que vous voyez, vous allez pas vraiment le faire sur ceux qui ont des armures. Oups. Bah, ça arrive quasiment jamais. Ça va, ça va. On a une capsule protéine. Un flair aussi. Très bien. Protéine, ouais, très bien. Qu'est-ce qu'on a encore comme endroit? On a juste le garage. Ah oui, normalement il a fermé la porte si je dis pas de bêtises. C'est pour ça en fait qu'il nous dit de passer par là-bas. Je vais regarder. Donc en fait là je le fais, je tue les monstres en premier, mais on n'a pas vraiment besoin de les tuer maintenant. Donc on va devoir faire le tour. Ouais, il a fermé. Donc faut passer par l'autre côté. Je pense que notre arme de base va être le M4 pour le mode golem. Le M4 et après on gardera donc le pistolet avec les Spartans, ça sera pour les boss ou pour les trucs un peu plus gros. Vu que, comme j'ai dit, le taux de coup critique et tout ça est beaucoup plus élevé, ça fait très mal. Aussi j'aime bien le fait que les NMC, donc tout ce qui est créatures, elles fondent une fois mortes, alors que les golems restent. Ce sont pas vraiment des... c'est pas vraiment des NMC du coup. Donc les cadavres restent, ça c'est vraiment cool aussi. Ouais, ça va être pardon, ça va être fusil à pompe, pistolet et M4 pour nos armes pour le moment. Faire l'interphone. Et là, il y a la clé. Mais on n'a pas d'objet pour récupérer la clé. Et après, il nous dit... regardez le saloon. Et en fait, il est en train de nous parler de trouver une personne qui a la clé. Et ben, je pense que c'est la personne qu'on a trouvée en haut du chapiteau. C'est peut-être chapiteau. Non, chapiteau, c'est pour les cirques. Château d'eau. Pour le château d'eau. Et cette clé, c'est là. Le saloon. La clé du saloon. En gros, on avait récupéré la clé du saloon. Du cadavre. Là, on est des bestioles. On va prendre le PA3. Très bien. Là, on est dans la réserve du saloon. On a trouvé un un aimant. Un aimant sur le réfrigérateur. Et l'aimant va être utilisé pour récupérer la clé. Et là, c'est le saloon. Eux, après un certain taux de dégâts, en fait, ils tombent directement. Donc du coup, avec le fusil à pompe, c'est pas mal. Ça leur fait assez de dégâts pour les faire tomber quasiment instantanément. Voilà, très bien. Très très bien, ça se passe bien. Alors là, on a un petit réfrigérateur avec de la... avec des boissons. Regardez ça. Alors, regardez ça. Placement de produit. Du Coca-Cola. Canette de cola. Restore HP et MP. C'est rare en fait, les colas c'est super rare dans le jeu, il y en a quelques-uns que vous pouvez trouver.
et ça vous récupérez beaucoup d'MP, donc 80 MP c'est quand même énorme, et aussi 20 HP, donc c'est plutôt cool. Mais c'est... honnêtement, c'est... on va dire que c'est... c'est le genre d'objet qui est tellement rare qu'au final vous ne les utilisez jamais parce que c'est super rare, donc du coup vous apprenez à jouer sans, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est un peu bête. Après bien sûr vous pouvez les acheter une fois que vous finissez le jeu plus d'une fois et que vous les débloquez, vous pouvez les acheter en magasin. Après il y a un jukebox, on peut écouter des musiques je crois bien. Ah c'est pas pour maintenant, pour plus tard on pourra écouter des musiques. Un billard et tout. Et là on va ouvrir la porte. Et elle va la prendre automatiquement, ça c'est un problème. Alors, on va regarder la carte, normalement tout est vide. Ouais, il y a juste le garage, mais on va y aller. Ça aussi, dans les jeux vidéo, j'aime pas trop quand il y a des objets rares. Genre, je crois, honnêtement, je crois que les colas sont plus rares que les objets qui vous remettent full HP et full MP. Vous imaginez? Donc du coup, c'est pas vraiment intéressant. Donc bon, dans des jeux comme ça, il faut bien... C'est cool quand il y a plusieurs sortes de médecines, d'objets de soins et tout ça, c'est vraiment cool. Mais quand vous avez des objets extrêmement rares comme ça, les gens, les joueurs en général vont genre jamais les utiliser parce qu'ils vont apprendre à jouer sans. Donc du coup ils serviront à rien. On va les mettre dans un coffre, on va jamais les utiliser. Donc ça c'est un peu... Des fois il faut un peu... faut que les gens réfléchissent un peu mieux, les développeurs, quand ils font des... quand ils utilisent des objets comme ça. Donc là il y a le... l'aimant. C'est un porte-clés en capsule de coca. Hop là. Yeah! On a récupéré la clé. Alors ce qu'on va faire, on va aussi débloquer cette porte là. Mais du coup on va la prendre évidemment. Oui, ça c'est embêtant quand même, ça c'est très très embêtant. Là, 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 là. Et on est de retour là. Il y a des bestioles apparemment. Des gros moustiques. Recharge vite, ils arrivent. Vu que c'est un jeu à caméra fixe, le GPS aide dans ces moments-là. Vous savez, le GPS, l'objet en attachement là que j'ai enlevé quasiment dès le début. On va dire que ça nous aide à ces moments-là, parce qu'on ne sait pas la distance. Vu que c'est caméra fixe, on peut pas voir devant nous et tout ça. Donc on ne sait pas à quelle portée sont les ennemis, est-ce qu'ils vont nous attaquer, est-ce qu'ils sont loin, etc. Donc j'avoue que le GPS peut aider pour ça, j'avoue. Et là on a Flint. Et là on est dans la... chez Douglas. Dans la caravane de Douglas. Je sais pas si c'est une caravane, peut-être pas une caravane si. Ah si, je crois, mais... Il a plein d'armes et tout ça, plein de collections d'armes. Une grosse collection d'armes et de munitions. Et il a dit que... Il y a Pierce qui l'a appelé, qui l'a contacté, et qui lui a dit qu'il peut nous vendre... des armes et des munitions contre des BP. Bon, lui, il n'utilise pas les BP, mais ils ont dit que le FBI échangerait ça en dollars, etc. Donc, du coup, Monsieur Douglas peut faire le marchand.
plutôt cool. Donc on a le lance-grenade, on a le M9. Le M9 c'est une, c'est un attachement aussi du M4. C'est pour, c'est une baïonnette. Ça fait plutôt mal, honnêtement. C'est intéressant, c'est intéressant. Après il y a plusieurs magazines qu'on peut récupérer, enfin chargeurs qu'on peut rajouter au M4. Et après il y a le M4 lui-même, donc on va déjà prendre le M4. Alors un truc bête, ça c'est peut-être un des défauts, c'est que le M4 en fait peut accueillir genre des chargeurs supplémentaires et tout ça. Mais vous pouvez pas en fait mixer les choses. Si par exemple vous lui mettez le M9, genre la baïonnette sur le fusil, vous pouvez pas lui mettre des chargeurs en plus. Donc ça c'est un peu embêtant. Parce que normalement, bon, des chargeurs en plus, ça va pas gêner le coup de la baïonnette, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça passe pas. Voilà, ça passe pas, donc c'est chiant. On peut acheter, on a des grenades ici, on peut acheter les grenades. Donc je me dis peut-être qu'on pourrait même utiliser le lance-grenade. Et après on a d'autres armures. Je pense qu'on va acheter une autre armure juste pour le fun. Je pense qu'on va prendre celle-là. La veste PASGT. C'est une arme, c'est militaire. Et il y a un first aid kit à l'intérieur. Donc en gros on récupère des HP. Attachement 6 et HP 20. C'est pas mal. Je pense qu'on va prendre ça juste pour le fun. On n'a pas vraiment... Honnêtement, dans ce jeu, si vous jouez bien et que vous faites attention, vous n'avez pas vraiment besoin de changer d'armure. Les armures que vous trouvez dans le jeu sont nettement suffisantes. Donc... voilà, on gagne un attachement supplémentaire, on perd un peu en MP, mais on a plus de HP. Et surtout, c'est que on résiste au poison, comme notre veste là. Mais on va aussi récupérer des HP. Mais ça aurait été cool, genre, de la voir habillée comme ça, en fait, Aya. Avec, genre, à veste militaire et tout ça, ça aurait été vraiment, vraiment cool. Par contre, on est à 19 sur 20. Ça, c'est un problème. On va virer les parabellums. Les parabellums, c'est les balles de base, on peut les récupérer à l'infini dans la boîte, donc c'est pas grave. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour les armes? Donc déjà, on va prendre ça. On va pas prendre au max, on va prendre ça. Parce que des fois, on en trouve en fait sur les après les combats, donc je préfère ne pas... Ne pas être plein, voilà, on a 720. 800, c'est le maximum. Mais après, j'ai bien envie de prendre le lance-grenade et tirer des grenades, honnêtement, pour le fun. Pour les... comment ça s'appelle? Les golems. On va voir un peu ce qu'on a. Donc on a le M4, qui est plutôt stylé. Ouais, il est stylé le M4. Et aussi pourquoi je dis que le coût des critiques en fait est sûrement géré par la légèreté des armes et tout ça, c'est parce qu'en fait le M4, si vous le prenez comme ça de base, elle n'a pas de problème, vous voyez qu'elle a les épaules bien droites et tout ça. Elle n'a pas de problème à le manier. Et il a quand même un taux de critique assez intéressant. Maintenant par contre on va lui mettre ça, ce qu'on avait récupéré là, le hammer. Donc on va lui mettre ça. Hop. Donc maintenant il ressemble à ça. Il a une sorte de stun là, en dessous. Vous voyez que maintenant il est plus lourd. Ah quoique non, ça va. Ah non, le hammer, non, ça va. Normalement, elle penche, en fait, sur le côté. Je crois qu'elle penche pour le lance-flamme. Mais vous voyez qu'elle le tient différemment. Elle le tient différemment. Elle le tient à la hanche au lieu de le... genre à l'épaule. Parce que l'arme est plus lourde. Peut-être quand elle court, non? Ah, voilà, non, pour quand elle marche, voilà, c'est quand elle marche. Vous voyez qu'elle elle penche, en fait. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Donc voilà, l'arme est plus lourde. Et là, le coût de critique, en fait, sera moins élevé. Mais bon, le coût du stun est cool, quand même. Et alors, encore un mauvais côté du jeu, c'est que vous pouvez pas le changer, ça. Vous pouvez pas... vous pouvez pas le dissocier. Genre, vous pouvez pas enlever le hammer, maintenant. C'est fini, c'est mis dedans, bah voilà, ça reste dedans. Donc ça, c'est un peu bête. Je trouve que c'est un peu bête.
Vous pouvez que l'enlever si vous mettez par exemple un lance-flamme ou un chargeur en plus et tout ça. Vous intervertissez en fait, mais là le M4A1 de base, bah, il est complètement perdu. À moins que vous le jetiez, vous en rachetiez un autre, mais voilà. Donc on a ça. J'ai envie de dire, ouais, j'ai envie de dire lance-grenade et grenade. Comme ça on sera tranquille et ça ira vite pour les combats. Parce que c'est pas vraiment le mode comme ça difficile, comme j'ai dit, on l'a déjà fait, mais... Juste pour un peu s'amuser. Par contre, les grenades, ça va vite. Hein. 7000 de BP. Ça va quand même assez vite. Après, on peut lui demander des informations sur le shelter. Apparemment, il y aura un shelter, genre un endroit pour se réfugier, pas loin. C'est ce que Madigan lui a dit aussi. Ouh. Ce cri est pas mal. Ce cri peut faire assez peur. Peut-être un touriste, elle dit. Douglas nous dit que c'est une maison complètement vide et tout ça, et fermée, donc on ne devrait pas avoir de gens normalement. Et après, il nous dit qu'on pourrait passer, vu que c'est tout fermé en fait de tous les côtés, ce qu'on pourrait faire, c'est passer par le puits où on a entendu le monstre, vous vous rappelez? Donc on va devoir passer par le puits. Ça fait peur! Alors on va d'abord s'équiper. Est-ce qu'on augmente nos parasites énergie? Alors après aussi il faut dire que les parasites énergie sont quand même vraiment très utiles. Hein. Ça fait plein d'effets différents. Donc les vestes comme ça qui augmentent pas les MP, c'est un peu chiant. Parce que du coup là genre on a 38 MP maximum. C'est pas énorme. Et c'est un peu embêtant. Après on va augmenter Necrosis. On augmentera Necrosis. Bon, ça va être notre arme de base. On va mettre... alors le PA3, vu qu'on n'a pas de... Vu qu'on n'a pas de slug shot pour le moment... De slug, pardon, de slug shot. De slug, on va pas le mettre. Par contre on va mettre le PO8 avec les Spartans. Et on va mettre le lance-grenade. Et on va le charger avec les grenades normales, vu qu'on peut les acheter à l'infini. Il n'y a pas de problème. On va mettre du soin. On va mettre les capsules. Capsule, recovery. On a combien encore? Deux places. Recovery 1, recovery 1 et MP boost. Voilà, très bien. On va jongler sur ces trois armes pour le moment. On va aller déposer le PA3 et tout le reste en fait dans l'hôtel, dans la chambre d'hôtel ou dans notre voiture. Et on va sauvegarder aussi. On va sauvegarder. Moi je vais faire une petite pause. Et on va continuer après, donc on va directement aller là-bas où ça clignote. Donc, enfin non, là où ça clignote c'est le puits. Et, ah je peux pas vraiment vous montrer en fait comme ça. Vu qu'on a pas la carte, je sais, où est-ce qu'on trouve la carte de Dryfield? Je suis en train de me dire la carte, est-ce que je l'ai loupée ou je sais pas trop. Enfin bref, on passera par le puits. Et après, vous voyez le B là, la box. La boîte en bas à droite, c'est un peu plus sur la droite. Il y a des maisons et tout ça, des maisons abandonnées. Enfin, en théorie, qui sont abandonnées. Mais avant ça, on va aussi faire le tour de la ville et détruire tous les monstres. Tuer tous les monstres et tester nos nouveaux jouets aussi. Donc voilà. Donc, bah merci et à tout de suite sûrement, parce que ce sera encore une vidéo, je pense. A tout de suite.
Et on est de retour pour Parasite 2. J'ai jamais fait vraiment attention, genre sur le bureau de Douglas, on voit... genre on voit une canette de bière, une deuxième qui est écrasée, des lunettes, des papiers, avec sûrement des armes dessinées dessus. Il y a l'ordinateur et tout ça. C'est vrai qu'avec l'émulateur, quand même, vu que c'est un peu de meilleure qualité, bon, c'est pas flou, mais c'est juste que c'est en fait une résolution très basse, les fonds d'écran, en fait. Pas les fonds d'écran, les arrière-plans dans genre Parasite 2, dans les Resident Evil, tout ça, c'était pareil, c'était de la 2D. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même à discerner pas mal de choses maintenant avec le. Avec l'émulateur, vu que c'est plus propre. Il y a plein d'armes et tout ça. Là, c'est sûrement pour même créer des balles. Je crois qu'il peut même créer ses propres balles, vu le matos qu'il a. En tout cas, nous sommes repartis. Donc, on doit passer par le puits. Le puits. Mais d'abord, on va faire le tour de Dryfield, encore une fois. On va aller un peu tester nos nouveaux jouets. Et on va détruire tout ce qui se passe. Flint, montre-lui, boy. Alors le chien va nous montrer en fait le câble pour qu'on doit récupérer. Et après il va nous montrer le puits. J'ai la corde. Enfin c'est un câble plutôt, c'est pas une corde. Non, il y a des méchants. Alors, le M4, il a un... Il tire 3 balles, en fait. C'est relou, en fait. Le problème, c'est que le M4 est vachement bien. Mais, bah, voilà, quoi. Enfin, il a un burst de 3 balles à chaque fois. Et c'est vraiment le gros défaut en fait du M4, c'est qu'il a son burst là. S'il pouvait être full auto ou des trucs comme ça, ce serait vraiment vraiment bien. Mais bon, c'est une des armes les plus polyvalentes et les mieux faites du jeu. Plus intéressantes on va dire. C'est la plus polyvalente et la plus intéressante. Niveau dégâts et munitions et tout ça, c'est pas très cher et il fait très mal. Donc bon, on est un peu obligé de l'utiliser, ça c'est un peu bête. C'est un peu bête ce côté-là dans le jeu. Sinon, qu'est-ce que je vais dire d'autre aussi? Donc ça c'est le puits, donc on a notre corde. Donc c'est une corde en acier. C'est une corde en acier. Oui, bah du coup, il faut l'utiliser. Lol. Tout ce qui est clé, ou pour ouvrir en fait des endroits, elle va pouvoir le faire automatiquement. Vous avez juste à analyser faire action sur la porte. Mais après, quand c'est l'utilisation d'objets, comme ça, il faut les utiliser eux-mêmes, les objets. Il y a une petite différence de ça. Faut que je montre aussi le taser un peu, comment il fonctionne. Pour le moment, on peut pas le... Normalement, on n'est pas censé vraiment avoir ça, maintenant. Donc du coup, on peut pas le... comment ça s'appelle ? Le recharger. Donc si on l'utilise, bah, on va plus trop l'avoir, en fait. Parce qu'on n'est pas vraiment... Bon, on va faire ça. Piou ! Non, on m'approche pas ! Aouh. Il y en a encore un. Il y a un truc bête aussi avec le M4. Parce que, en fait, dans le jeu, il n'y a que 2 touches pour tirer. Pour attaquer en fait, il y a R1 et R2. Et
Du coup, par exemple, avec le M4, le R1, c'est le burst de 3 balles, et le R2, c'est le coup par coup. Donc ça, c'est vraiment pratique, en fait, d'avoir les deux. C'est un peu comme le pistolet qu'on a 3 balles et une balle. Mais une fois que vous lui mettez un accessoire, du coup, bah, vous perdez la capacité de tirer une balle, en fait. Hop là, c'est fait exploser par les bestioles. Il y en a encore un. Sûrement là. Voilà. Donc vous perdez du coup le coup de pouvoir tirer coup par coup. Donc ça c'est un peu embêtant. J'avoue que c'est un peu embêtant en fait ce côté-là. Mais bon, c'est comme ça. Ah oui, je voulais aussi parler du le côté gauche de l'écran. Alors, on est dans un vieux jeu, donc c'est en 4 tiers, hein, les vieux écrans et tout ça, c'est pas du 16/9. Si jamais vous jouez à des vieux jeux comme ça, PS1, PS2, ne mettez pas en 16/9, parce que ces jeux à l'époque ne supportaient pas ça, parce que ça n'existait pas encore, la technologie n'existait pas encore. Donc, les jeux ne peuvent pas supporter ça, donc du coup... Ah là oui, vous avez des sortes de blobs, des visqueux là. Eux, ils sont résistants aux attaques physiques. Par contre, ils sont très très sensibles à l'élémentaire. Et le mieux, c'est d'utiliser Necrosis. Enfin, quand vous arrivez... Voilà. Vous faites énormément de dégâts. On avait l'effet Berserk. Berserk, c'est... Au lieu d'utiliser des MP, vous allez utiliser vos points de HP, votre vie du coup, pour faire des magies. Mais par contre, vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Donc il y a des gens qui utilisent Berserker là, qui utilisent ça pour certains boss, genre les speedrunners et tout ça, parce qu'il y a du speedrun sur ce jeu, utilisent ça pour genre boss de fin et tout, ça fait extrêmement mal je crois bien. Par contre on est plein, oh, qu'est-ce qu'on va faire, on va encore utiliser, les buckshots on peut les acheter. Donc j'ai envie de dire à la limite on peut les jeter. Alors le truc que je fais aussi c'est garder des objets le plus possible parce qu'à la fin du jeu, une fois que vous avez fini le jeu, je parle de plein de sujets à la fois parce qu'à chaque fois s'il y a le... Ah oui, il faut qu'on aille à la voiture aussi pour vider notre inventaire. Parce qu'il y a énormément de sujets en fait qui arrivent en même temps. Donc on va les finir un par un. Une fois que vous avez fini le jeu va comptabiliser en fait tous les objets que vous avez trouvés et vont être cumulés en BP et en expérience. Du coup, je garde le plus possible les objets qui sont rares. Donc c'est pour ça que l'inventaire est un peu est plein, quoi. Mais c'est utile. Du coup, ça augmente les points. Le P, on a dit que ça, on le virait. Ça aussi, aux toilettes aussi. Grenade Airburst, on n'a pas vraiment besoin. Et la tenue aussi. Le flair aussi, on n'a pas vraiment besoin, honnêtement. On est bon. Voilà, 11 sur 20. Très bien. Très, très bien. Bon, on va finir la zone, puis après on va prendre le puits. Et je voulais dire, oui, voilà, par rapport au 16/9, au 4 tiers, ne forcez pas les jeux comme ça en 16/9, même si pour vous, ça fait bizarre, en fait, d'avoir des bandes noires et tout sur les côtés. Jouez honnêtement en 4 tiers, parce que c'est très moche, en fait, c'est l'image qui est élargie, c'est très, 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 très moche. Donc faites pas ça. Enfin, après, vous le faites si vous voulez, honnêtement. Et moi, à chaque fois, comme je dis, hein, si les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, tant qu'ils font pas de mal à autrui ou cause de problème, vous faites ce que vous voulez. Mais je trouve ça très moche, en fait. Parce que les personnages vont être tout élargis, vu que c'est élargi sur les côtés et tout ça. Donc, ça va déformer l'apparence des personnages et tout ça. Enfin, je trouve ça un peu moche. Donc, même s'il y a des barres noires, c'est pas grave. À la limite, vous avez qu'à mettre des jolies images sur les côtés. Si vous faites des vidéos sur un truc comme ça, comme ce que j'ai fait. Elle veut pas. Ah mon dieu. Elle voulait pas cibler celui qui volait. C'est pas grave.
Le problème, voilà, avec le burst de 3 balles, c'est qu'on perd des balles, vu que là, par exemple, on tuait des petits rats. Ils ont pas trop de vie, en fait. Ils meurent à la deuxième balle, donc la troisième, elle est complètement perdue tout le temps. Donc ça, c'est un peu chiant. Là, pareil, 2 balles perdues, encore une fois. Vous avez vu, là on les fait pas éclater les scorpions, donc du coup ils ont... Il y a le... Le poison... Qui se répand par terre. Ça c'est bon. Pas le château d'eau, ça va. Et oui, comme je disais, donc sur le côté droit, vous avez normalement Aya Brea. Et sur le côté gauche, vous avez ma mascotte de la chaîne, qui est baptisée Ellie. Hop là. C'est pas mal pour des passages comme ça, le taser. Ça touche beaucoup de cibles. Ma mascotte qui a 1 an et 1 mois maintenant. Je l'ai créé. Je suis sûr que pendant que je jouais à Parasite Eve 2 l'année dernière, je devais en parler. Je l'avais créé avec un artiste et on a aussi après fait des émotes. Avec une artiste même. Après des émotes tirées de la mascotte et tout ça, c'était pour Twitch. À l'époque, quand je streamais sur Twitch, maintenant j'ai changé. Twitch a, en fait a mal avancé en fait. Et si vous n'êtes pas partenaire sur Twitch, honnêtement, ça sert un peu à rien de streamer sur Twitch. Donc je suis passé sur... Ok, très bien. Je suis passé sur YouTube, meilleure résolution, meilleure, moins gêné en fait par les bitrates, le taux de données en fait, donc du coup l'image est beaucoup mieux, etc. etc. Donc c'est pour ça, j'ai fait une vidéo dessus pour expliquer, et vraiment plus simple pour moi aussi, vu que je stream, c'est directement remis sur la chaîne YouTube en fait. Donc les gens peuvent regarder plus facilement. Les gens en général n'aiment pas cliquer, les gens sont très très fainéants, il faut partir du principe comme ça, ils sont très très fainéants. Et du coup les gens ne vont jamais aller voir autre part. Combien de fois j'ai des gens en vidéo ou, qui me mettent dans les commentaires, ou alors depuis que je fais des streams sur YouTube, qui me disent « Hey, t'as fait ce jeu-là et tout ça ?» Je lui fais « Oui, c'est encore une fois, je l'ai fait sur Twitch à l'époque. » Et dans la description, même dans la description de cette vidéo, vous allez voir, il y a toujours la playlist sur YouTube et la playlist de Twitch, avec les jeux que j'ai fait, tout ça. Et les gens ne vont jamais voir, les gens ne... Les gens préfèrent poser les questions 150 fois plutôt que d'aller vérifier par eux-mêmes. Des fois, c'est un peu... C'est exaspérant pour moi, mais bon... Je me suis habitué maintenant. Donc c'est pour ça qu'au final, c'est mieux de faire tout sur une seule plateforme, à la limite. Alors là, on va avoir un boss, c'est pour ça que j'avance pas. Il va pas être très dur dans notre difficulté. On va utiliser... Je crois qu'on va utiliser le lance-grenade à la limite pour aller vite. Alors un truc qu'on peut faire, c'est utiliser le truc paralysant en fait, le spray paralysant pour le paralyser. Attention, ça fait mal. Pour le paralyser. Mais après vous pouvez vous bloquer ici et il est trop large en fait pour passer. Donc vous risquez rien en théorie. On va utiliser le lance-grenade un peu. Il est tombé par terre. D'accord, ok. C'est
C'est très mal fait en fait ce que je suis en train de faire là. Parce qu'en fait on ne voit pas et... C'est bon, on l'a eu. on l'a eu. En fait, ce que j'aurais dû utiliser, parce que j'ai pas, je me suis pas préparé parce que c'est pas vraiment le mode très difficile. Mais en cauchemar, on a dû se préparer et tout ça, c'était un peu compliqué. Mais vous utilisez le pepper spray, le spray de poivre là, et ça va le paralyser. C'est vachement pratique ça. C'est vachement utile pour ce combat là. Ou le flair aussi. Ça va le paralyser aussi. Très très utile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se soigner en utilisant ça. Hop, on va débloquer encore une magie. On va prendre Necrosis 2. Ah, très bien. Le reste, on le récupérera par combat. Ah! C'est vrai qu'il fait noir. Ok, ça va. Il va falloir allumer. Je sais plus si on allume là ou dehors. Je crois que c'est dehors en fait pour allumer. Vous avez plusieurs boutons à l'extérieur. Donc déjà j'ai aussi loupé une capsule. Donc on va aller la récupérer. Donc là vous avez vu sur la gauche dans le tunnel, là c'est pas allumé. Mais maintenant ça l'est. Donc on peut aller voir. On peut aller voir ce petit trou là. Et il y a des capsules ici. On peut les mettre en soin. Je suis en train de me dire. S'il y a une option genre. Curseur memory ou standard. You can have remember the last position you used. Standard. Ouais. Ah bon, on va tester un peu. En gros, c'est se rappeler d'où le curseur était dans le menu la dernière fois que vous étiez dans le menu. Mais des fois, j'ai l'impression de faire utiliser sans faire exprès. Donc... Enfin, je sais pas, on va voir. C'est un détail, on s'en fout. On s'en fout honnêtement. je sais pas si on a besoin de l'allumer ce côté-là. Switch. Je sais pas si c'est pour en haut ou alors si c'est pour cette salle là. Je crois que c'est cette salle là. On va pouvoir récupérer des objets. Yeah! Lumière. Alors il y a un truc intéressant là. C'est ici. Faut regarder deux fois. Et vous avez vu qu'il y a le pistolet en fait qu'on utilise, le P08. Et il a un chargeur en fait en spirale. Hop là, et on peut le récupérer. Mais vous pouvez le récupérer seulement si vous avez le P08 dans l'inventaire. Donc on a récupéré celui-là, donc ça fait 25 balles en plus. On va l'utiliser. Hop là. Donc voilà, maintenant on a le P08 qui a 32 balles en tout. Donc une des meilleures armes du jeu, honnêtement. Surtout si vous utilisez les Spartans. Là aussi, il y a le flair, ouais, c'est l'objet que je vous disais, qui était utile contre le boss, enfin le petit boss. Mini boss. Il y a un truc que je vais faire, sûrement l'année prochaine, on va voir si j'arrive à débloquer ça. C'est un run seulement avec de la parasite énergie, ça pourrait être drôle. J'en étais sûr.
C'est quoi notre max d'HP? Ouais, c'est 130, 135. Okay. Une caisse enregistrée. On va déjà débloquer la porte et du coup on va la prendre aussi. C'est embêtant, hein? C'est embêtant ce truc. Y a des objets à prendre dans ce magasin. Coca. Je crois qu'il y a une eau aussi. Un recovery 3. Oh cool. Il y a plein de différentes nourritures. De l'équipement pour la pêche aussi. Il y a plein de trucs. Elle peut voir l'extérieur d'ici. Il y a plein de choses. Oh, oh c'est du... Ok, c'est du Monsieur Golem. Je pensais que c'était les bestioles. Là, loupé. Merde. J'aurais pas dû tirer la dernière salve. Ok, il y en a un autre. Je sais pas ce que c'est, si c'est un lance-grenade. Ouais. On aurait pu utiliser ces tirs contre l'autre. Spartan et du soin. On a récupéré les slugs, on a récupéré une dizaine de slugs tout à l'heure. On va pas vraiment les utiliser. Ça c'est une mine anti-tank apparemment. Donc là on peut pas... Allez, c'est fermé. La voie vient de cette... De ce bâtiment. Et apparemment, il s'est trop sombre à l'intérieur, donc on peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va aller là d'abord. Le truc avec le gameplay, faut bien comprendre, c'est ils nous l'apprennent au tout début, là, quand on avait fait le tir. C'est que carré, quand vous appuyez sur carré une fois, ça va cibler la cible en fait la plus proche, en gros. Si vous ciblez, si vous faites encore une fois carré, vous allez avoir... vous allez changer de cible en fait, mais dans la vue en fait de la caméra, du plan fixe en fait. Par contre, si vous maintenez carré et vous faites droite-gauche, vous allez pouvoir en fait circuler entre tous les monstres qu'il y a dans la zone. Et ça, il faut vraiment l'utiliser, il faut vraiment s'habituer à l'utiliser, parce que sinon vous allez avoir du mal à cibler la bonne cible à chaque fois. Même moi, deux fois ça m'arrive encore, hein. C'est un peu le côté faible du gameplay, un peu embêtant. Il n'y a pas de bestiole. Et là, elle voit que l'armoire en fait est boulonnée en fait au mur. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir voir Douglas et lui demander s'il a pas un outil pour nous aider. Normalement personne n'est revenu, mais peut-être quand on prendra la clé en fait, les monstres vont peut-être réapparaître. Donc il va falloir refaire un tour. Je suis pas sûr. Je suis pas complètement sûr. Mais cette fois on peut passer par là, ça va aller plus vite. On va déposer aussi les munitions, genre les Firefly qu'on a eu.
ça. Les slugs, on va les garder. Quoique... Belt aussi, Coca, on va le garder. Quoique les slugs... destination pleine. Bah voilà, les slugs, on les garde. Les slugs, on est poussé à les garder. Parce que c'est vrai qu'avec le P03, là, c'est quand même un peu compliqué de l'utiliser. C'est un peu relou, vu qu'il a que 3 cartouches à chaque fois. On va récupérer le space bientôt. Enfin, bientôt, façon de parler. Monsieur Douglas. Monsieur Douglas, on a besoin de vous. Donc là, on va lui expliquer qu'on entend la voix et que on peut pas rentrer en fait dans la chambre. Monsieur Doogie, I need information. Vous ne pouvez pas rentrer. On dirait que quelqu'un est à l'intérieur et c'est fermé. Enfin, c'est boulonné. Ok. Et il nous a dit qu'on peut aller prendre ses outils maintenant. On va regarder. Prendre des munitions. Ah si, on peut, batterie et fuel. Mais non, on peut. On peut recharger. Je pensais pas que Doogie pouvait. Douglas, il pouvait. Mais je crois qu'en cauchemar, il peut pas, en fait. En cauchemar, on peut pas même du tout. Si je dis pas de bêtises. Genre, c'est enlevé. Parce qu'il y a une station, en fait, pour recharger ça. Et je crois que la station, elle permet même pas de recharger en version cauchemar. J'aime bien aussi le fait, vous voyez, que quand elle tient l'arme, il y a des éclairs, parce que c'est un taser le truc, et ça l'illumine en fait, ça, elle aussi. Donc ça c'est vraiment pas mal, je trouve, comme détail. Et quand c'est à zéro, ben, le truc est éteint, du coup. Donc je trouve ça vraiment vraiment cool, moi, comme détail. De toute façon, honnêtement, les détails dans les jeux vidéo, c'est ce qui fait vraiment... C'est ce qui aide à rendre le monde vivant. Hop là, très bien. Genre, c'est comme les... Sur avec quoi on pourrait le comparer. J'ai un truc en tête, mais ça va peut-être être compliqué à expliquer. Par exemple, genre Fallout 4, moi je faisais beaucoup de construction avec... avec des mods, et il y avait un mode en fait pour pouvoir placer des objets et genre laisser des objets genre statiques, par exemple genre des couverts, des tables, des chaises, des lumières, des lampes, des assiettes et tout ça. Et moi j'aimais bien recréer en fait genre des bars et tout ça qui ont l'air vivants. Mais pour ça en fait, il faut... C'est comme un peu le problème de certains jeux vidéo, genre les jeux indés et tout ça. Des fois ils sont très bien faits, des fois ils sont très mal faits. C'est parce que quand les gens créent des environnements, je pense que c'est ça, enfin pour moi je crois que c'est vraiment ça le plus gros problème, c'est que quand certaines personnes créent des environnements, ils les créent pour les créer en fait. Genre, je vais faire un château et dans ce château il va se passer ça et ça et ça. Mais il faut lui donner un historique en fait. Genre si vous faites une chambre, vous voyez que là par exemple... On voit très bien que bon, il y a un lit, il y a un canapé, il y a une wardrobe et tout ça. Enfin, une wardrobe, c'est une armoire pour les vêtements et tout ça. Mais vous voyez que c'est cassé et tout ça. Donc il y a eu de la vie, il y a eu quelque chose, il y a des trucs qui sont détruits et tout ça. C'est abandonné, donc voilà, il y a des trous au toit et tout. Donc il y a une certaine cohérence en fait. Il y a une cohérence en fait dans ce qu'on voit. Et je crois que beaucoup de gens en fait passent à côté de ça. C'est pour ça qu'avant de créer des événements dans un endroit, déjà créer l'endroit et créer une histoire à l'endroit. Je pense que c'est ça le plus important pour le rendre crédible surtout et le rendre vivant.
Donc on a bougé l'armoire. On a fini la ville. Donc ça, ça aide énormément pour rendre un jeu crédible. Vous avez tué cette femme. Cette femme, tu veux dire cette chose. Il dit qu'on est tous les deux des chasseurs. Il dit qu'il a sauvé Los Angeles cette nuit. Par détruire la tour en fait. C'est parti. C'est parti, numéro 9. J'aime bien ce que lui, il a l'équipement qu'on... Ah oui, je peux pas le montrer là. Il a l'équipement qu'on a équipé. Alors, il y a une... Je l'avais fait en mode difficile, ce truc là, il y a une sorte de petite cinématique secrète avec lui où Aya va lui mettre une boule de feu en fait dans la tête quand il la chope. Et c'est assez compliqué à faire. On peut essayer de la faire. Je vais utiliser les sauvegardes rapides pour éviter de recommencer à chaque fois. Alors d'abord... Ok, on va faire une boule de feu. Ok, c'est fait... Vous êtes défoncé la gueule, c'est bien. Quand il tape, si par exemple on tire une boule de feu alors qu'il tape pas, il va se protéger. Donc on va lui faire quasiment aucun dégât. Par contre, si on tire une boule de feu pendant qu'il tape, on va faire beaucoup de dégâts. Ah, 158. 160. Il fait un peu trop mal quand même. Waouh, la portée, mec. 152. Ok, est-ce que tu peux me choper là? Ok, là. Est-ce qu'elle va le faire, la truc? Ouh la vache, non. Ok, il est pas assez bas, je dirais. Et là, fais voir si tu me chopes. Non. Je sais pas s'il me tue, il va faire ça. Voir si tu me chopes. Yes, go la boule de feu. Non. Il a peut-être trop de vie. Quand il est presque mort, en fait, elle va faire ça automatiquement. Ah merde. Bon bah. C'est pas grave, je l'avais fait en difficile de toute façon. En gros, quand il la chope, au lieu de la balancer par terre, elle va faire une boule de feu directement dans sa tête. Les effets ici sont sympas. On sait pas ce que c'est ça. Genre apparemment sa mitochondria devient surpuissante, genre elle le fait que l'autre il part en autocombustion et tout ça à cause de Aya. Mais on sait pas trop pourquoi elle a des sortes de cornes qui sortent du dos. Je suis allé regarder sur internet et tout ça, il n'y a pas vraiment d'explication en fait. Genre à quoi correspond ce passage en fait. Alors qu'est-ce que ça signifie? Après, je sais qu'il y en a qui parlent de Parasitive 1 aussi, ou un moment où il y a un peu pareil, je crois. Donc c'est peut-être une sorte de clin d'œil, en fait, au premier jeu.
je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est pas expliqué dans le... C'est la personne qu'on vient de voir, la petite fille là, c'est Yves. On va en apprendre plus plus tard. Les cinématiques avec Yves, elles sont un peu longues. Donc on risque de les zapper. Après, c'est possible que les deux soient liés ensemble. Vu qu'elle a été créée par rapport à Aya, mais ça on va l'apprendre plus tard évidemment. Peut-être que les deux sont sont bah, connectés du coup, c'est normal. Mais c'est peut-être qu'elle a son immense pouvoir en fait, Aya, qui se déclenche et puis ça réveille Yves, ou alors ça là, lui permet de s'échapper, quelque chose comme ça peut-être. Cette cinématique elle est classe aussi. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas de motion capture en fait. Regardez les mouvements de Kyle en fait, les mouvements des personnages dans les cinématiques comme ça, en CGI là, c'est moche. Les mouvements des personnages sont moches. Ce sont pas très naturels. Mais après les mouvements dans le jeu sont beaucoup plus travaillés. Ah, elle est classe, Aya, quand même. Donc c'est Kyle Madigan. C'est vrai que j'avais oublié qu'on avait cette arme en main et pas le flingue. Donc elle a blackout en fait, elle s'est évanouie. Et maintenant il fait nuit dans Dryfield. Et il y a le corps de numéro 9 qui a disparu. Après, il parle du shelter. Il dit que c'est peut-être le repère des créatures et tout ça. Donc du coup, en gros, on va faire équipe avec Madigan pour y aller. En gros, Madigan utilise Aya et Aya utilise Madigan à ce moment-là, plus ou moins. Vu qu'il a l'air doué. On y va ensemble. Et on fait équipe avec Kyle. Kyle est très bon. Il est très très bon. Même en cauchemar, il pouvait tuer les monstres facilement. Il a une arme qui fait extrêmement mal. Vas-y, défonce-moi ces golems. Bon, après, faut pas qu'ils meurent non plus. Alors là, on peut détruire leur bouclier si on tire assez dessus. Oh merde. Non, ça va. Ah, il lui a détruit le bouclier. Vas-y, Kyle. Moi, je fais le tank, apparemment. Il fait méga mal avec son arme et ses balles. Et il tire très vite aussi. Et il tire avec une main et tout ça, il recharge avec une main. Enfin, il recharge avec une main. Vous avez vu la façon dont il tient l'arme, c'est ça que je veux dire. Donc c'est plutôt cool. Kyle est plutôt sympa de l'avoir dans l'équipe. Honnêtement, ils auraient pu, si jamais ils refont par exemple un remake un jour, quand j'aurai 50 ans. Ce qu'ils peuvent faire, c'est...
Genre, au lieu qu'on reste Aya tout le temps, genre, ce moment-là, ça, genre, quand elle s'évanouit, ça switch sur Kyle. Et, genre, il va voir Douglas, parce qu'apparemment, il est allé lui parler et tout ça. Et, genre, ils attendent plusieurs heures, et ils voient Aya qui revient pas et tout. Et puis après, on joue Kyle qui la cherche, en fait, dans la ville. Ça pourrait être vraiment un très très bon truc. Yeah, bien joué, Kyle. On va dire que ça, c'était peut-être un peu la chance loupée de pouvoir faire un switch de personnage dans ce jeu-là. Après, je comprends pourquoi ils l'ont pas fait aussi, hein, y a pas de problème, mais... Ça aurait pu être cool. Ça aurait pu être vraiment cool. Dieu, papillon. Ah non. Bah voilà. Ça fait toucher. Ça dure pas longtemps le. La collaboration avec Kyle. Parce qu'à chaque fois il nous dit on devrait aller voir ta voiture, etc. Donc en gros on est poussé à aller là. La voiture qui a été bouffée, la sedan qui a été bouffée par des gremlins. Alors eux, c'est un peu comme les vers. Au moment où ils vous sautent dessus, c'est là que vous faites des très très gros critiques. Mais bon, c'est un peu dur à timer, on va dire. Vous voyez, vous faites le critique vert. Ma belle voiture. J'aime bien cette photo, genre avec Kyle qui analyse la voiture et Aya qui a la main de façon sur le front. On a toujours le coffre qui fonctionne. On peut récupérer encore des balles, il y a toujours la caisse. I guess we need a new wheels. Ça c'est l'essence. Il dit que... Du coup on va avoir besoin de... D'une nouvelle voiture. Ah oui, il y a le téléphone qui marche plus ici. Ah, la ligne a été coupée. Donc... À ce moment du jeu, en fait, le dry field devient un peu plus compliqué pour se balader et un peu plus dangereux. Parce qu'il y a un seul... Non, deux endroits avec où il y a Douglas pour sauvegarder. Donc du coup... Et on a des bestioles comme ça ici. Je pensais pas les voir là. Oh mon dieu. Ok. Paralysé. Oh mon dieu, qu'est-ce que tu fais mal. Et j'ai pas remis du soin. On les a... Et on est en... Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils font des boules de feu, ils nous font des altérations d'état. Okay, donc nous, on les a... On va leur mettre encore nécrosis. Voilà, comme ça, ils sont à chaque fois... On va tirer sans viser, sans la viser auto. Ok, très bien. On pouvait rien faire contre la paralysie, c'est un peu emmerdant. Mais j'ai complètement oublié de remettre des soins. Oui, ben on n'en a pas du coup. La paralysie, c'est le pire dans le jeu.
C'est vraiment le pire. Toutes les genre 5 secondes, en fait, elle va s'arrêter. Elle va mettre le, genre les mains sur ses genoux et tout ça et attendre. Et c'est super dangereux. Mais comme j'ai dit, si vous les dotez avec Necrosis, vous risquez pas grand chose. Donc c'est pour ça. On va pouvoir poser les Firefly, les Air Slug aussi. Comme ça, on garde notre inventaire assez vide. Donc 11 sur 20, on a encore un emplacement. J'ai envie de dire autant prendre encore un soin. Bon, on va sûrement en trouver pendant qu'on avance. Est-ce qu'on remet du DMP ou pas? On a 4700 d'expérience. On peut mettre shot niveau 3. Très bien. Il va nous falloir shot... Enfin, falloir, non. On peut le faire avec niveau 2, mais... shot niveau 3 et... Necrosis aussi niveau 3 va vraiment nous aider contre le boss. Contre le boss à venir. Oh mon dieu. Ouf, ça va. Ce qui explose normalement donne beaucoup de MP comparé aux monstres normaux. Donc vu que c'est le taux de MP c'est le même que le taux de HP, c'est plutôt cool pour notre armure. Pour notre veste, on récupère quand même pas mal d'HP à chaque fois. J'ai envie de faire la mauvaise fin. Mais du coup ça te demanderait en fait de laisser le genre le chien mourir. Et je vois rien. Pendant le combat du boss. Et je sais pas trop. Je crois qu'il faut attendre un certain temps en fait. Genre vous avez 5 minutes ou un truc comme ça. Et si vous tuez pas en fait le boss assez vite, le boss va partir, il va pas mourir, vous n'allez pas le tuer en fait, il va partir. Et c'est à ce moment-là que vous scellez en fait la fin, si vous avez la bonne ou la mauvaise fin. En gros. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait la mauvaise fin. J'ai toujours fait la bonne fin, donc je sais pas si on pourrait faire la mauvaise en place. Mais du coup, le chien doit mourir. Oh. Saloperie. C'est un peu embêtant. Et du coup, il faudrait prendre notre temps, en fait. Pour tuer le boss, je crois. Encore heureux qu'on n'était pas au milieu, parce que là on était mort assuré. Je sais pas si on va le faire. Je pense que c'est quand même mieux de faire la bonne fin, parce que avec la bonne fin, c'est qu'on a plus à faire après qu'on revient à Dryfield. Parce qu'à un moment, en fait, on va quitter Dryfield, mais on va pouvoir y revenir par la suite. Et le truc, c'est que si on fait la bonne fin, il y a Pierce qui va venir à Dryfield et tout. On a une sorte de mini-quête, une quête supplémentaire, secondaire. Bloop bloop. Par rapport à Pierce... Il est bloqué dans les toilettes.
Donc, il y aura plus de monstres à tuer. Je pense que le faire la bonne fin donne plus de monstres à tuer. Et après, on a des meilleurs objets aussi. Mais ça, c'est autre chose. Oh mon dieu, vous êtes horrible. Vous êtes horrible. Ils sont vraiment chiants ces trucs. Hein. Ils sont vraiment relous. C'est le sous-sol à faire. C'est encore des trucs. Oh mon dieu, mon dieu. Il y en a plein. À descendre par là. Il va falloir qu'on passe par le puits aussi. Et il y a un petit couloir à faire encore. Il y a un truc aussi que j'ai trouvé, je l'avais mis sur le Discord, il faut que je me regarde comment ça marche, je me rappelle même plus en fait. Par rapport à l'émulateur, on peut accélérer la vitesse de l'émulateur. C'est un intéressant, ça nous permettrait d'aller un peu plus vite pour les parties comme ça. Mais il faut que je regarde comment on fait. Je me rappelle plus. Je crois qu'on peut passer à 80. Enfin, on va parler en Hertz parce que. C'est les vieux jeux, mais enfin, en gros, on passe à 80 FPS, 90. Ah, très bien. Donc ça nous permettrait d'aller un peu plus vite dans les... dans l'éradication de la map, quoi. Un peu plus vite. Ah, dans le garage aussi. Oui, mais de toute façon, on va devoir aller voir Douglas, donc du coup, on ira après. Ok, on descend. Encore une nouvelle bestiole. Celle-là, elle met un peu de temps avant de devenir invisible, donc vous pouvez la stun lock en fait, plus ou moins. Donc c'est pas très très compliqué. Mais le mieux pour combattre ces monstres-là, c'est d'avoir genre ou un MP5 ou alors il y a un autre pistolet avec le flash. Mais oh, mais c'est d'avoir un flash.
Tu vas sortir ça. Oh la vache. Si jamais on court, il va nous sauter dessus aussi. Ouais, comme ça. C'est bon, on l'a loupé. Parce que j'ai... Il y a trop de... Quand on va dire que le couloir est trop grand, en fait, il va courir comme ça, à la place. Pour nous sauter dessus, avec le laser. Aussi, vous avez remarqué qu'on est, au sous-sol, là, avec... dans une sorte de grotte, en fait, dans des mines. Il y a un écho. Et l'écho, en fait, est rajouté sur tout ce que vous faites. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal aussi, ça, en... niveau détail. Alors là, on a des lunettes qu'on peut mettre. Donc, on les met en attachement, en fait. Et ça, on résistera à l'aveuglement, à la cécité. Donc, c'est plutôt cool. Donc, ça, c'est cool. Donc même ça c'est sympa, le fait de pouvoir attacher comme ça de l'équipement. Donc imaginez dans un jeu qui est refait et tout ça. Genre avec plusieurs équipements, genre équipement de la tête, le corps et tout ça. Alors eux ils vont pas nous attaquer, je crois que c'est parce qu'ils ont peur de la lumière en fait. Si jamais c'était la nuit, je suis pas complètement sûr sur ça. Je crois que j'avais testé une fois. Si jamais on éteint la lumière et qu'on re-rentre dans la pièce, ils vont nous attaquer. Mais là, ils ont peur de la lumière. Encore une fois, ça serait comme un peu à l'Escape from Tarkov. Genre, vous avez le sac à dos, puis après vous avez votre rig, votre veste anti... Enfin, votre veste pare-balles, etc. Là, vous pourriez faire pareil, en fait, avec Parasitive 2. Mettre des lunettes, des casques, trucs comme ça. Les gens, parce que honnêtement c'est super simple de faire des jeux accrocheurs. Les gens aiment bien avoir différents équipements et tout ça, pouvoir customiser le personnage et tout. C'est très prenant en fait d'avoir un système comme ça. Donc quand vous pouvez customiser votre personnage avec différentes armes, puis après vous avez aussi les équipements, c'est top quoi. Donc rien que ça, ça plairait aux gens. Rien que ça. Mais bon. Les développeurs, ils sont à court d'idées. Après, là, j'ai envie de dire, il y a de la lumière et ils nous attaquent, donc je suis pas sûr. Je suis pas vraiment sûr, en fait, de ce que je disais au début. Bon, ben voilà, on a vidé la ville, on va voir Douglas. Yo. On va se mettre comme ça, et on va faire ça. Hop là. C'est pratique hein, la nécrosis, ça aide énormément. Pour toute bestiole invisible aussi, ça aide beaucoup. J'aime bien parce que le mec quand même a pris son fusil et nous a menacé parce qu'il savait pas, il était pas au courant que c'était nous. Mais il a pas levé ses fesses de la chaise. Il restait assis quand même.
Alors on lui demande s'il peut pas nous prêter son véhicule. Son camion. Parce qu'on va aller au shelter. Donc là il va nous dire... Il va nous dire qu'on a besoin de faire le plein. Donc il va nous donner les clés pour aller récupérer un jerrycan. Et après il va falloir faire le plein du jerrycan, etc. Et le mettre dans le camion. Et après on sera prêt. Il nous a donné les clés du lobby pour aller récupérer le jerrycan. On va d'abord regarder ses flingues, récupérer des munitions, il a rien de nouveau. Au final, on récupère pas de munitions hein, des monstres. Je pensais qu'on en récupérerait, mais au final, pas du tout. On va recharger la batterie. Ah, très bien. On va téléphoner. Jody, c'est la fille qui s'occupe de l'armurerie au QG du Myst. Elles sont très amies, elle et Aya. Et du coup, on doit aller dans le lobby, nous, pour aller récupérer... une clé, mais il faut un code pour ça. Et après, on va devoir aller à l'étage, parce qu'en fait, la clé qu'on va récupérer dans le lobby, c'est la clé de passe-partout, en fait. Ça va ouvrir toutes les chambres de l'hôtel, donc il y en a encore deux là à ouvrir. Et après, une et encore deux, donc ça fait quatre en tout. Ouais, Bronco Master Key. Voilà, moi je vais faire une pause là encore une fois. Donc ça va, on avance vite. Qu'est-ce qu'on va débloquer? Ouais, j'avais dit que Décrosis niveau 3, 2400. Ouais, ça va, on peut le faire. On va prendre ça. Donc, comme ça, on sera bien niveau puissance. Et après, Métabolisme, je crois qu'on va devoir le prendre à un moment ou à un autre. Ça nous aide quand même. Et ouais, c'est tout. Ah, peut-être que je vais remettre sur mémoriser là, le curseur, je sais pas. Bon, honnêtement c'est des détails, c'est un vieux jeu, on s'en fout. Ah oui, par contre c'est ça, parce qu'on a utilisé les soins. Ouais. Recovery 2 x 3 et un MP boost. Ouais. Bah non, tiens, on va quand même faire ça. Et voilà, on est bien, on est prêt. Ouais, on va continuer ça. Moi, je vais faire une pause, mais après, de toute façon, je vais lier les choses comme d'habitude. Je vais juste faire des sessions d'une heure à chaque fois. Voilà. Merci beaucoup de continuer à regarder et à tout de suite.